السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 8 Jumada al-Ula 1434 de l'Hégire, correspondant au mercredi 20 mars 2013 bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, toujours avec notre livre ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, dans le cours numéro 19, Idnillah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va parler, inshallah ta'ala, de la tristesse. On va parler, inshallah ta'ala, chapitre la tristesse. Alors, on a dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ibrahim ibn Isa, alayhi rahmatullah, rapporte. Il a dit, je n'ai jamais vu personne de plus triste que l'Hassan. Je ne l'ai jamais vu sans penser qu'il venait d'être frappé par un malheur. Je répète, je n'ai jamais vu personne de plus triste que l'Hassan. Je ne les serve quand on les voyait, c'est comme s'ils venaient d'être frappés par un malheur, tellement ils sont tristes. Et cette tristesse en fait la peur, le cœur, il pense au péché qu'il a fait, et pense à ce qu'il attend, alors il est toujours là à se sentir fautif. Donc, yani, il se sent brisé. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, rapporte. Il a dit, un jour, Talha rit. Puis, il s'emporta contre son âme et dit. Pourquoi ris-tu? Seul celui qui a traversé les épouvantes, yani Ahwal Qiyama, et le pont, le Sirat, jeté au-dessus de l'enfer, peut rire. Il a dit, je me suis efforcé de ne pas me laisser aller à rire jusqu'à savoir ce qu'il adviendra de moi. Et effectivement, on ne le vit plus rire jusqu'à ce qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, rapporte, un jour, Talha rit, puis s'emporta contre son âme et dit, pourquoi ris-tu? Seul celui qui a traversé les épouvantes et le pont jeté au-dessus de l'enfer peut rire. Il a dit, je me suis efforcé de ne pas me laisser aller à rire jusqu'à savoir ce qu'il adviendra de moi. Et effectivement, on ne le vit plus rire, jusqu'à ce qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, il n'y a pas de coupure, inshallah, Alhamdulillah. Donc, le rire, naam, c'est surtout le sourire qu'il y a en islam. Surtout le sourire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Souleymane, il a dit, lorsque la fourmi a parlé, et a dit, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, la yahtamilu. Allah Ta'ala dit de Suleyman, فَتَبَسَّمَا ضَحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Il a souri de ce qu'elle avait dit, de ce que la fourmi a dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le voyait beaucoup sourire, mais très rarement rire. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتَ الْقَلْبِ. قال الشيخ الألباني سحديث بون numéro 100 صحيح الجامع. Et ne rit pas beaucoup, car le fait de rire beaucoup
tue le cœur. Tue le cœur dans le sens de, dans le sens de, le durcit. Le durcit. Et ne rit pas beaucoup, car le fait beaucoup, avec les cœurs se divisent en trois. Il y a le vivant, c'est le cœur du croyant. Et le cœur mort, le cœur du kafir. Et le cœur malade, le cœur de l'hypocrite. Non. Plus la personne rit beaucoup, plus son cœur s'y durcit jusqu'à ce qu'il meure. A'oudou billah. S'il n'y a pas de tristesse, lorsqu'Allah Ta'ala aime un serviteur, il augmente son affliction. Et lorsqu'Allah Ta'ala déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. Je répète, lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala aime un serviteur, aime quelqu'un, il augmente son affliction, sa tristesse. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. Subhanallah al-Azim. Celui qui ne connaît pas des choses pareilles, celui qui connaît pas des choses pareilles, il n'a pas de science. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va penser le contraire. Il va dire, moi, il me donne des épreuves, donc moi, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aime pas. Et il va dire, et l'autre, auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de bien, même s'il ne prie pas, même s'il boit de l'alcool, ça veut dire que c'est quelqu'un d'aimé. Quelqu'un d'aimé, subhanallah al-Azim. Mais ce qu'il voudrait savoir, inshallah ta'ala, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique. D'ailleurs, il se trouve dans Sahih al-Bukhari, et là, dans Sahih al-Jami'. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man yuridillahu bihi khayran, yusib minhu. Ou fi riwaya, yusab minhu. Hadith sahih. Voir 1110, Sahih al-Jami'. 6110, Sahih al-Jami'. Quiconque Allah ta'ala veut du bien de lui, ou bien lui veut du bien, il l'éprouve. Quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala, lui veut du bien, il l'éprouve. Donc, quand tu as des épreuves, il ne faut pas penser que Allah ta'ala te veut, mais qu'il t'a voulu du bien. Ensuite, l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle montre, c'est comme la, reprenez-moi si je me trompe, la passoire. La passoire, si ça s'appelle la passoire, dans laquelle on met par exemple un jus ou bien je ne sais pas quoi, y a que le pur, voilà la passoire, il n'y a que le pur qui descend. Et tous les déchets restent dans la passoire. L'épreuve passoire pour le serviteur, pour filtrer, exactement. Nous tous, on dit on est croyant, on aime Allah, on a le destin, mais on dit avec la langue. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous prouver à nous-mêmes, pas à lui. Lui, il nous connaît, il connaît ce qu'on ne connaît pas de nous. Mais il veut nous prouver à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des véridiques ou des menteurs? Alors il te donne des épreuves. Ensuite, si tu patientes, tu endures, tu t'es prouvé à toi-même que tu es masha'Allah et que tu n'as pas menti. Non. Et si tu commences à critiquer le destin et peut-être à insulter l'islam ou à insulter le dîn, ou à insulter Allah, ou à dire ceci, cela, non, ça veut dire que tu es un menteur. Non, tout ce que tu as dit avec ta langue, que tu aimais Allah, que tu aimais l'islam, que tu as agréé le destin, tout ça c'est yani, mensonge sur mensonge. Oulayadoubillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith autre, un autre hadith authentique, il a dit, Ida ahabba Allahu qawman ibtalahum. Qala Sheikh al-Albani sahih, voire numéro 285 sahih al-Jami'. Lorsque Allah Ta'ala, quand il aime des gens, il les éprouve. Un autre hadith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime des gens, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas il les enrichit, il les éprouve. Subhanallah, c'est le contraire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime des gens, il les éprouve. Je vous ai raconté une fois un hadith, une ou deux fois peut-être. Non, ça ne fait rien, je le répète ici. Minbab al-dhikra, fa inna tanfa'u al-mu'minin. Radiyallahu ta'ala anhu avait rencontré une femme qui, ça fait longtemps, il ne l'avait pas rencontrée. Et autrefois, elle était une femme de joie. Et lui, quand il l'a rencontrée, il ne savait pas que yani, elle était devenue mashallah, etc. Donc, ils sont parlé deux ou trois mots, et sans le vouloir, ou je ne sais pourquoi, il l'a touchée, c'est-à-dire en mettant sa main sur sa tête ou sur son épaule, quelque chose comme ça, elle lui a dit, mais.
Elle lui a dit, l'islam, la djihadia, elle lui a dit, l'époque anti-islamique est partie. Naam. Maintenant, elle lui a dit, c'est l'islam. Ça veut dire, je suis tout autre. Naam. Al-Muhim. Lui, donc, quand il a entendu ça, yani, il a rebroussé chemin et il a yani, tourné ses talons. Et en allant, il se retournait vers elle. Vers elle, Allah alam pourquoi. Il se retournait peut-être par étonnement. Il disait, subhanallah, comment une personne peut changer? En fait, c'est comme ça que change une personne en islam. Elle change de fond en comble, de fond en comble. Al-Muhim. Donc il marchait en se retournant, en même temps, en se retournant vers elle, et il s'est cogné la tête contre un mur. Et il a eu vraiment mal, il a eu vraiment mal. Cheikh Al-Albani a des hadiths authentiques. Il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a raconté. Que lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, toi, tu es un homme ou quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il lui a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il lui fait payer. Il lui fait payer 10 ans. Son péché ici. Et s'il l'aime pas, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Donc, ce sahabi, tellement il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que il a payé à la minute même. À la même minute, il a payé, subhanallah. Donc, des fois, nous, on paye, c'est quelque chose pour nous, mashallah, et on ne sait pas. On dit pourquoi on a des malheurs, pourquoi je suis tombé, pourquoi je me suis cassé la main, pourquoi ceci. Et tu oublies les grandes fautes que tu fais. Et tu oublies les grands péchés que tu as faits la semaine passée, etc. Donc, ce sont tout ça des ni'mas. Il lui a dit, par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal à quelqu'un, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et quand tu rencontres là avec tes péchés, qui peut t'enlever tes péchés? Qui peut te les effacer? Ibrahim ibn Saïd al-Jawhari rapporte de Rachid. Il a dit, je n'ai jamais vu une personne ou la personne de semblable Al-Fudayl ibn Iyad. Lorsqu'on parlait de lui ici. Al-Fudayl ibn Iyad. Il a dit, je suis entré auprès de lui et il me dit. Il m'a dit, c'est-à-dire Fudayl m'a dit, il m'a dit, vide ton cœur pour la tristesse et la peur jusqu'à ce qu'elles y installent. Car elles t'empêcheront de commettre des péchés et t'éloigneront de l'enfer. Subhanallah. Vide ton cœur pour la tristesse et la peur. Car jusqu'à ce qu'elles s'y installent. Car lorsqu'elles s'installent, elles t'empêchent de commettre des péchés et t'éloignent de l'enfer. Non. Saïd ibn Abd al-Aziz ibn Jabir rapporte, il a dit, Bilal, le sahabi Bilal, le muaddin, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, n'a jamais plus accompli l'appel à la prière pour personne après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour djihad, et Abu Bakr voulut l'en empêcher. Alors il lui dit, si tu m'as affranchi, vous savez, c'est Abu Bakr qui l'a affranchi, il lui a dit, si tu m'as affranchi, pour Allah, laisse-moi partir. Il se rendit donc au Chem jusqu'à ce que Omar arrive à Al-Jabiya. Alors les gens lui demandèrent, ils demandèrent à Omar de presser Bilal d'accomplir l'appel à la prière. Il le lui demanda, il appela à la prière et il n'y eut pas de jour où on pleura plus qu'en celui-ci. Le jour où Bilal a appelé à la prière des années après, en raison du souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela suscita chez eux. Que cela suscita chez eux. Ibn Hibban, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Yahya ibn Kathir, rahimahullah, comptait parmi les dévots. Et lorsqu'il participait à des funérailles, il ne dînait pas en ce jour. Et ne parlait à personne. Yahya ibn Abi Kathir comptait parmi les dévots. Et lorsqu'il participait à des funérailles, ce jour-là, il ne dînait pas et ne parlait pas et ne parlait à personne. Les salafs avaient beaucoup de tristesse dans leur cœur.
Et la tristesse est demandée en islam, dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle l'aide. Elle aide à oublier un peu cette dunya. Cette dunya qui est par rapport à l'au-delà, c'est comme une co-épouse. La co-épouse, ça marche jamais avec la première épouse ou bien avec l'autre épouse. Non. C'est un peu comme l'au-delà et le bas monde. Ça marche jamais ensemble. Ou bien on penche à celle-là, ou bien on penche à l'autre. Ou bien on penche à celui-là, ou bien on penche à l'autre. On pense à l'autre. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'aller, par exemple, les tombes. D'aller visiter les tombes. Non. Et d'aller au cimetière. Il a, dans un hadith authentique, il a dit, Zouroha, yani visiter les tombes. Il va aller au cimetière. Il a dit, Innaha tudmi al-ayn. Il a dit, car ça fait larmoyer les yeux. Il a dit dans un autre hadith, Touriq al-qalb. Il a dit, le fait de visiter les tombes, ça fait adoucir les cœurs. Et il a dit aussi, Tudhakkirul maut. Il a dit, ça fait aussi penser à la mort. Penser à la mort. C'est pour cela que, en principe, quand quelqu'un va, par exemple, assister à des funérailles, ou bien marche avec la janaza, ou bien va à la tombe, normalement, ce jour-là, il devient vraiment triste. Et, yani, s'il mange, il mange peu. Et ce jour-là, il ne rit pas. Non, il ne peut rire. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est comme ça qu'étaient les salafs. C'est pourquoi en islam, par exemple, il est interdit, quand on va, par exemple, on marche dans les funérailles, à janaza, c'est interdit, par exemple, par exemple, de lever la voix. Les voix, naam, c'est interdit de. C'est pas comme par exemple de nos jours. On voit des gens, par exemple, pendant les funérailles, avec la musique. Naam, la musique, ils prennent le mort, naam, dans une voiture, une grande voiture, ensuite les soldats, je ne sais pas qui, la musique, et ils le prennent comme ça, subhanallah al-azim, les funérailles officielles. Naam. Si c'est comme ça, on ne va pas ressentir de khushu'a. On ne va pas avoir de tristesse dans le cœur. Naam. Omar ibn Darr, rahimahullah, a dit, toute tristesse s'atténue, à l'exception de la tristesse de celui qui se repent de ses péchés. Toute tristesse s'atténue, à l'exception de la tristesse de celui qui se repent de ses péchés. Ja'far ibn Sulayman, rahimahullah, rapporte, il a dit, lorsque je ressentais une dureté dans mon cœur, j'allais regarder le visage de Muhammad ibn Wasi'a. J'allais regarder le visage de Muhammad ibn Wasi'a. Et il avait le visage d'une mère qui a perdu son enfant. Il avait le visage d'une mère qui a perdu son enfant. Comment est le visage d'une mère qui a perdu son enfant? Il est jaune, comme le citron. Non. Par tristesse et par peur. Non. On demanda à Abdelaziz ibn Abi Daoud, rahimahullah, quelle est la meilleure adoration? Il répondit, la tristesse permanente. La tristesse permanente. Maintenant, on va passer, inchallah ta'ala, au deuxième chapitre et dernier aujourd'hui, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah, subhanahu wa azzawajal. Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, a dit, celui qui se suffit d'Allah, les gens auront besoin de lui. Celui qui se suffit d'Allah, alors les gens auront be besoin de lui. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui aura besoin des gens. Celui qui suffit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit Allah me suffit. Ça veut dire celui-là, il n'a besoin de personne. Il a dit Allah me suffit. Je n'ai besoin d'aucune autre personne. Donc celui-là, automatiquement, ce sont les gens, donc, qui auront quoi? Qui auront besoin de lui. Lui, il n'a besoin de personne. Il a dit, Allah me suffit. Naam. Et c'est vrai, subhanallah l'adhim, c'est vécu, subhanallah l'adhim. Khalif ibn al-Walid, rahimahullah, rapporte, il a dit, un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Fudayl ibn Ayyad. Écoutez, un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Fudayl ibn Ayyad. Il lui répondit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-ce un administrateur en dehors d'Allah que tu cherches? Dis-moi, est-ce un administrateur en dehors d'Allah que tu cherches?
Subhanallah al-Azim. Toi, dans la journée, tu dis Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa muhammadin nabiyan, alayhi salatu salam. J'agrée Allah comme Seigneur. Tu dis comme ça dans la journée. Et j'agrée l'islam comme religion et Muhammad al-Islam comme messager ou là comme prophète. Donc tu as dit j'agrée Allah comme Seigneur. Et maintenant, tu veux, il t'a donné la pauvreté. Donc d'après toi, yani, il s'est trompé, Azzawajal. Il ne te connaît pas. Il ne sait pas que tu as besoin de plus d'argent et il t'a donné la pauvreté. Donc tu cherches un autre administrateur. Comme ça, il lui a dit. Il a dit, tu cherches un autre administrateur. Alors que nous, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a réparti les biens ainsi. Et c'est lui qui est plus savant. Comme il a dit dans le Coran, il a dit, Allah ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latif al-khabir. Il a dit, ne sait-il pas celui qui a créé? Ne sait-il pas celui qui a créé? Subhanallah al-Azim. Celui qui a créé, ne sait-il pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. Ahum yaqsimuna rabbik, nahnu qaynahum ma'ishatahum fil hayat. الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون الزخرف 132 عفوا est-ce eux qui distribuent la corde de ton seigneur ensuite voit le témoin du cours c'est nous qui avons réparti entre eux le risque leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres. Pourquoi? Afin que les uns prennent les autres à leur service. Allah Ta'ala dit, la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Je répète, c'est nous, Allah, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Donc c'est nous, donc nous savons qui faire de lui un riche, qui faire de lui un pauvre, qui faire de lui un super riche, qui faire de lui un très pauvre, qui faire de lui un moyen, qui faire de lui un peu moyen, et comme ça. Car c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Et pourquoi certains sont plus élevés que les autres? Et nous les avons élevés en grade les uns sur les autres. Pourquoi? Afin que les uns prennent les autres à leur service. Naam, si on était tous des médecins, on était tous... Il y a ni des ingénieurs, des je ne sais pas quoi. Qui, par exemple, il y a ni, si, par exemple, le boulanger. Personne ne voudrait travailler boulanger. Non, donc, tu ne vas plus manger de pain. Et personne ne va planter les pommes de terre, le fermier, etc. Non, on est tous, il y a ni des riches, ou bien on est tous des ingénieurs ou des cracks. Donc, il y a ni, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exprès d'élever les uns. De faire des riches, par exemple, et des pauvres, pour que chacun ait besoin de l'autre. Naam. Le pauvre a besoin du riche pour yani, qu'il l'aide. Mais le riche ne peut aussi rien faire sans le pauvre. Le riche ne peut rien faire aussi s'il n'y avait pas le pauvre. Naam. Et c'est comme ça, c'est complémentaire. Al-Muhim, nous les avons enlevés en grade les uns sur les autres. Ce n'est pas pour les avilir, pour que les plus gradés avilissent les moins gradés, ou les plus riches avilissent les pauvres. Non, afin que les uns prennent les autres à leur service. La conclusion, la rahma de ton Seigneur vaut mieux pendant que tout ce qu'ils amassent dans cette vie. Non. Tout ce que tu amasses dans cette vie, si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas descendre sa rahma sur toi, et ne t'englobe pas avec sa rahma, ou bien il est en colère contre toi, tu n'as rien gagné, tu es le plus grand perdant. Tu es le plus grand perdant. Naam. Tayyib. Yahya ibn Mu'ad, rahimahullah, a dit, il y a trois qualités comptent parmi les qualités des pieux. Trois qualités comptent parmi les qualités des pieux. Loula, awalan, la confiance en Allah. Deuxièmement, le fait de se suffire de lui. Et troisièmement, le fait de revenir vers lui en toute chose. Je répète. Trois qualités. L'âme, trois qualités comptent parmi les qualités des pieux. Parmi les qualités des pieux.
La première, la confiance en Allah Azzawajal. Deuxième, le fait de se suffire de lui et à lui. La troisième, le fait de revenir vers lui en toute chose. Le fait de revenir vers lui en toute chose. Bon, la première, c'est la confiance en Allah. D'ailleurs, c'est le cours. Le cours d'aujourd'hui, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie. Ensuite, il a dit la deuxième des choses, le fait de se suffire de lui. Le fait de se suffire de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أليس الله بكاف عبده وفوك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد. C'est-à-dire en français, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah ne suffit-il pas son serviteur comme soutien, c'est-à-dire comme soutien, et ils te font peur avec ce qu'ils ont de lui, et quiconque Allah égare la pointe de guide. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? C'est pas une question pour yani, car il n'y a pas de réponse. Mais taqriri, c'est comme ou bien inkari, comme Allah Ta'ala veut dire yani, comment moi je ne suffis pas à mon serviteur, je ne suffis pas. Ça veut dire si, je suffis, Allah subhanahu wa ta'ala suffit à son serviteur et ils te font peur avec dehors de lui. Ils te font peur que X ou Y peut t'enlever ton disque, par exemple, et peut te licencier, tu n'auras plus jamais un sou, tu vas mourir de yani, pauvre. Non, ils te font peur. Alors Allah Ta'ala te dit, n'aie pas peur, je te suffis. Et il a dit, quiconque Allah égare la pointe de guide, et quiconque pense comme ça, qu'Allah ne le suffit pas, ou que quelqu'un peut lui prendre sa subsistance, c'est un égaré. Celui-là, c'est un égaré mesquin, et il n'a point de guide. Non. Ata rahimahullah rapporte, il a dit, Taous al-Yamani, va me trouver et m'adressa de belles paroles en me disant, oh Ata, n'adresse pas de monde à celui dont les portes te sont fermées et voilées, mais adresse-la à celui dont les portes sont ouvertes jusqu'au jour de la résurrection. Il t'a demandé de l'invoquer et t'a dit qu'il t'exaucerait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ata rapporte, il a dit, Taous al-Yamani va me trouver et m'adressa de belles paroles en me disant. Voilà comment parlaient les selfs quand ils se rencontraient. C'est pas du matin au soir, ils parlent de quoi? Ils parlent de football, les frères quand ils se rencontrent. Du matin au soir de football et le soeur et les soeurs de la mode. La dernière mode et la dernière coiffure. Ah, c'est quoi la dernière robe et la dernière je ne sais pas quoi. Les selfs, ils lui disaient, écoute, n'adresse pas ta demande à celui dont les portes sont fermées et voilées, mais adresse-la à celui dont les portes te sont ouvertes jusqu'au jour de la résurrection. Il t'a seulement commandé de l'invoquer et t'a garanti qu'il t'exaucerait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ إِسْتَعِبَدَتِي سَيْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui se refusent par orgueil à m'adorer entreront dans l'enfer humilié. A'oudou billah. Ceux qui se refusent par orgueil, takabboran, à m'adorer, entreront dans l'enfer. Comment qu'ils. C'est pas seulement ils rentreront humiliés. Tayyip, remarquez, il a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ensuite, il a dit, ceux qui se refusent par orgueil, à m'adorer. Il a dit, à m'adorer, au lieu de m'invoquer. À m'invoquer. Il a remplacé le mot invoquer ici, par m'adorer. Normalement, il dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et ceux qui se refusent par orgueil, à m'invoquer, entreront dans l'enfer. Mais, il a choisi m'adorer, à la place d'invoquer. Pourquoi? Pour te dire que l'invocation, c'est ça l'adoration. Justement. L'invocation, c'est ça l'adoration. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Wa qara'a alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum ila qawlihi dakhirin. Cheikh Al-Albani a dit sahih Ibn Majah 38 28. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration
Ensuite, il a lu le verset qu'on a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire, il a lu, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai jusqu'à humilier. Donc, l'invocation, c'est quoi? C'est l'adoration. Hein, pour les gens qui disent, pourquoi toi, tu lui dis, tu invoques un autre qu'Allah? Tu es là devant la tombe, invoquer un autre qu'Allah. Tu dis, non, j'invoque pas, Afouane. Pourquoi tu lui dis tu adores un autre qu'Allah? Il te dit non, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est juste une invocation. Tu lui dis l'invocation, c'est l'adoration. Justement, toi tu invoques le mort, donc tu l'adores. Le prophète Ersam m'a dit l'invocation, c'est l'adoration. Entre parenthèses, il y a un hadith daif qui dit l'invocation doit mukh l'ibada, mukh. Comment qu'on dit mukh? Disons, c'est la cervelle. Peut-être, il a dit, yani doua, c'est yani mukh de l'adoration. Ce hadith est daif, avec le mot mukh, c'est daif. Mukh en arabe, c'est la cervelle. C'est comme s'il voulait dire que la vraie invocation, c'est quoi? La vraie adoration, c'est la doua. Al-Mu'im. Al-Maroudi, rahimahullah, rapporte. On demanda à Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, on lui demanda comment se manifeste la sincérité de la confiance en Allah. Comment se manifeste la sincérité de la confiance en Allah? Il répondit, car on peut dire je place ma confiance en Allah. Mais est-ce qu'on est sincère? Allahu alam. Imam Ahmed a dit, cela se manifeste par le fait. Voilà, il va donner un signe pour qu'on sache si on est vraiment en place notre compte là ou pas, ou si seulement des dires comme ça. Il a dit, cela se manifeste par le fait de placer sa confiance en Allah sans avoir dans le cœur aucun homme dont on espère qu'il en réalisera quoi que ce soit. Subhanallah, si l'on est ainsi, alors Allah accorde. Je répète, pour savoir si vraiment tu as placé ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut qu'il n'y ait dans le cœur, dans ton cœur, personne dont tu espères qu'elle réalisera quelque chose pour toi. Allahu Akbar. Pour dire la vérité, ce n'est pas une chose facile. Non. Nous, on ne vit pas dans un milieu de dîn. On n'a pas trouvé nos parents comme des selfs, etc. Ils nous ont rien appris. Allah aidé homme. Ils ne peuvent pas t'apprendre. Eux aussi, ils sont des djouhels. Comment un djouhel peut t'apprendre? Non. En ce sens, ils sont excusés. El-Muhim. Donc, très jeune, et toute ta vie, on t'apprend que, au contraire, il faut avoir des connaissances. Plus tu as de connaissances dans cette dunya, plus tu es mashallah. Non. L'autre mashallah, il connaît le PDG. Allahu Akbar. Et je vais te présenter quelqu'un qui connaît un ministre. Allahu Akbar, naam. Et l'autre, il connaît le président de la République. L'autre, il connaît un avocat, l'autre un juge. Donc, à chaque fois qu'il t'arrive un problème, tu as toujours des personnes dans ton cœur, en lesquelles tu espères que, si jamais il y a quelque chose, yani, tu leur demandes de l'aide. Ici, Ahmed Bouhabel dit, tu n'as pas encore placé ta confiance en Allah, vraiment. Placer sa confiance en Allah vraiment. Son signe, c'est quoi? C'est de n'avoir aucune personne dans le cœur en laquelle tu espères de l'aide. Ça, vraiment, yani, il faut être né, yani, dans un entourage, yani, dans une famille de sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, pour atteindre un statut pareil. Naam. Ibn Aoun rapporte. Ibn Aoun, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Muhammad ibn Sirin disait à Ayyub, il lui a dit, pourquoi ne te maries-tu pas? Pourquoi ne te maries-tu pas? Alors il s'en plaint auprès de moi et dit, si je me marie, d'où trouverai-je de quoi dépenser pour ma famille? Autrefois, vous savez, c'est pas facile là, ni travail, ni rien. Si je me marie, d'où trouverai-je de quoi dépenser pour ma famille? Il a dit, j'ai rapporté cela à Mohammed ibn Sirin, qui a dit,
lui accordera sa subsistance celui qui l'accorde à l'oiseau dans le ciel. Et il pointa le ciel du doigt. Naam. Il lui a dit, dis-lui, lui accordera son risque et sa subsistance celui qui l'accorde dans le ciel. L'oiseau, est-ce que l'oiseau il est intelligent comme l'homme? Il fait des plans pour chercher le travail, il fait des demandes, il fait rien. Et subhanallah al-azim, jamais il ne meurt de faim. Pourquoi? Celui qui est dans le ciel, il l'a créé, a prédestiné 50 000 ans avant de le créer, qu'il vivra et mangera et boira jusqu'à ce qu'il meure. Il lui a dit, dis-lui, lui accorde la subsiste, celui qui l'accorde à l'oiseau dans le ciel. Et il pointa le ciel du doigt. Il a dit, alors Ayoub se maria, et j'ai vu ensuite du poulet à sa table. J'ai vu du poulet à sa table. Du poulet à sa table autrefois, c'était pas facile. Non. Manger du poulet, c'était vraiment yani, quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire que X ait mangé, par exemple, le poulet. Non. Abdullah ibn Idris rahimahullah, a dit, je m'étonne de celui qui se voue à un, mais délaisse de se vouer à celui qui possède les cieux et la terre. Allahu Akbar. Je m'étonne. Je m'étonne de celui qui se voue à un homme, à un être humain, mais délaisse de se vouer à celui qui possède les cieux et la terre. Subhanallah al-Azim. D'ailleurs, non, on continue, il reste pas beaucoup. Saïd ibn Jubair a dit, la confiance en Allah rassemble toute la foi. Et il invoquait en disant, qu'est-ce qu'il disait? Oh Allah, je te demande la sincérité dans la confiance que je place en toi et la bonne opinion à ton égard. Ya Allah, je te demande la sincérité dans la confiance que je place en toi et la bonne opinion à ton égard, Afwan. La bonne opinion à ton égard. On demanda à Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, on lui demanda, sur quoi as-tu fondé la confiance en Allah? Sur toi, sur quoi? Sur quoi, Afwan? Sur quoi as-tu fondé la confiance en Allah Azzawajal? Il répondit, pour quatre caractéristiques. Premièrement, j'ai su que mon rizq, ma subsistance, ne serait consommée par personne, personne d'autre que moi. Et cela a apaisé mon âme, alhamdoulillah. Je répète la première, j'ai su que ma subsistance ne serait consommée par personne d'autre que moi. Et cela a apaisé mon âme. Deuxièmement, j'ai su que mes actes ne seraient accomplis par personne d'autre que moi. Donc, je m'y consacre. Troisièmement, j'ai su que la mort survient subitement. Donc, je me dirige vers elle. C'est-à-dire en me préparant. En me préparant. Non. La mort, elle t'avertit pas. Tu ne dis pas, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, prépare-toi. Non. Chaque d'une seule autre, mourir. Non. Et j'ai su que je pouvais, afin que je ne pouvais, j'ai su, la quatrième. J'ai su que je ne pouvais échapper à l'œil d'Allah. Alors, je suis donc gêné devant lui. J'ai su que je ne pouvais échapper à l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où tu es, il te voit. Alors, je suis gêné de lui, azza wa jalla. Si je vous racontais des gens dont j'ai entendu qu'ils sont morts seulement ce mois. N'ayant aucune maladie, subhanallah, aucune, vraiment aucune maladie, et qui sont morts, des jeunes, 27 ans, 28, Allahu Akbar, aucune maladie, non, subhanallah. Shaqiq demanda à Hatim al-Asam, il lui demanda, depuis que tu m'accompagnes, qu'as-tu pris de moi? Il répondit, une parole, j'ai vu les gens douter concernant la subsistance. Alors j'ai placé ma confiance en Allah. Allah Ta'ala a dit, pas une bête sans terre, sans que sa subsistance n'en bat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
كل في كتاب مبين. هود نميرو 6. Il n'y a point d'être vivant sur terre dont le rizq, subsistance, n'incombe à Allah. Allah Ta'ala qui connaît son gîte et son dépôt. Son gîte où il dort la nuit, naam, et la sieste, et son dépôt, son cimetière. Allah Ta'ala sait ce que tu fais pendant la journée, quel est le gîte final où tu vas dormir, quel est l'endroit dans lequel tu vas dormir dans la tombe. Où est-ce que tu vas mourir? Dans quelle ville et dans quel endroit exactement? C'est ça ton dépôt. Tout est dans un livre explicite. Tout est dans un livre explicite. Enfin, Sofiane, rahimahullah, a dit, si la certitude était établie dans le cœur, alors il volerait de joie, de tristesse, de désir pour le paradis ou de crainte de l'enfer. Si vraiment la certitude était établie dans le cœur, alors ton cœur volerait de joie ou de tristesse, de désir pour le paradis ou de crainte de l'enfer. Non. Tout à l'heure, quand j'ai dit que Ada, je reviens à lorsque il a dit ce qu'il a dit ici, une seconde. Non. Dans la tristesse, lorsque Ibn Ayyad rahimallah a dit, lorsqu'Allah Ta'ala aime un serviteur, il augmente son affliction. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. J'ai dit tout à l'heure que donc le fait d'être éprouvé, cela ne veut nullement dire que c'est une preuve d'une haine d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de moi. Non. Et que le contraire est aussi valable. C'est-à-dire que le fait que Allah ta'ala élargisse le bas monde de quelqu'un, la vie de quelqu'un, ce n'est nullement une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux kuffars beaucoup plus qu'il ne donne aux musulmans. Vous l'avez remarqué. D'ailleurs, même là, la cité dans le Coran, il n'est pas éprouvé par ce que je donne aux kuffars, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens, etc. Et cela, yani, au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset que, subhanallah, il a dit, si c'était pas yani, par shafaqa et miséricorde pour vous les croyants, et de peur que vous deveniez tous kuffars, yani, j'aurais donné aux kuffars yani, ce qui est inimaginable. Il a cité l'exemple. Regardez dans ce verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضه ومعارج يظهرون. طيب الى دي si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, c'est-à-dire si les hommes n'allaient pas devenir kuffar, les musulmans, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? Certes, pourvu les maisons des kuffars qui ne croient pas, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les aurions pourvus de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Allah ta'ala a dit, si ce n'était pas, yani, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous, les musulmans, deviennent tous kuffars. Il a dit, sinon, les kuffars, j'aurais pourvu leur maison, de quoi? De toits d'argent, avec des escaliers pour y monter. Subhanallah al-Azim. Ensuite, il a dit, ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون. Zukhruf 34. Et il a dit, nous aurions pourvu leur maison de portes et de divans où ils s'accoudraient. Ou ensuite il a dit, وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب للمتقين. Ainsi que je les aurais pourvus d'ornements. Cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les purs.
Donc, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tout donné aux kuffars. Pourquoi? Que par miséricorde, par nous, pour nous, afwan. Sinon, serait peut-être devenu kuffar. Non, c'est pas vrai. Le kafir, il a comme ça des maisons avec des toits d'argent et des divans en or et je ne sais pas quoi. Ah non, et c'est pas possible. Moi, le musulman, le pauvre, j'habite yani, tout juste dans une petite maison, etc. Il va devenir kuffar. Oul'iyadu billah. Oul'iyadu billah. Naam. Donc c'est rahma. Allah Ta'ala, par miséricorde, il n'a pas, il a donné au kuffar, mais alhamdoulilah, ne leur a pas donné ce qui devient une fitna pour nous. Ce qui devient une fitna pour nous. Ensuite, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, une autre raison, ne nous a pas tous, ne nous a pas, non. Allah ta'ala dit dans un verset, « وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلْ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ فِيرُمْ بَصِيرٌ » Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah attribue ses dons avec l'âme à tous ses serviteurs, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il commettrait des. Mais là, il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. On est serviteur et on est clairvoyant. Donc, si Allah Ta'ala attribue ses dons avec largesse à tout le monde, il donnerait à tout le monde des milliards, qu'est-ce qui va se passer? Ses serviteurs commettraient des abus sur terre. Mais, alhamdoulilah, il fait descendre avec mesure. Non, chacun lui donne juste ce qu'il doit. Ou juste un peu, pour yani, lui faire entrer de la joie. Sinon, on va tous commettre des abus. Quelqu'un n'a pas le temps de prier, ni d'aller à la mosquée, ni d'aller assister à un cours. Non, très occupé par les sociétés, les banques, et les devises, et les ceci, et les cela, et il achète les ranches, et les villas, et les palaces. Non, où as-tu le temps de... Sans parler d'alcool, de femmes, de danse, de ceci, cela. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah Ta'ala nous donne avec mesure, alhamdoulilah. Naam. Ensuite, si Allah Ta'ala a donné au kafir plus que nous, c'est pour montrer aussi quoi? Sa justice. Sa justice. Le kafir n'aura, yom al-qiyama, que le feu qui l'attend. Donc, Allah Ta'ala veut être juste. Il dit comment le kafir, je ne lui dis ni là-bas. Non, le kafir a choisi que son paradis soit ici, donc je lui donne ici. Je lui donne le paradis ici. Et toi, tu as choisi le paradis là-bas, donc ici tu es en prison, comme dans le hadith. Tu es en prison ici, que tu veux. Tu vis avec le nécessaire. Naam. Et c'est aussi pour prouver que personne ne peut établir sur Allah. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala n'avait pas donné ici aux kuffars des largesses, Yom al-Qiyama, ils vont dire à Allah, nous on n'a eu ni en bas ni ici. Donc ils auraient le dessus sur Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est impossible. Personne ne peut avoir établi la preuve sur Allah. Mais si Yom al-Qiyama, ils veulent parler à Allah, on n'a pas le paradis. Il leur dit non, vous l'avez déjà eu votre paradis. Non, vous l'avez eu. Regardez ceux-là. Mes serviteurs qui ne l'ont pas encore eu. Ils se sont préparés pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont voir ce qu'est le paradis. Mais vous, vous l'avez eu dans le bas monde. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs. Naam. Et augmenter notre foi et notre patience jusqu'à ce qu'on le retrouve ravi de nous. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak lahumu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je vous attends, inshallah ta'ala. J'attends vos questions, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Afwan, cher, parce que je dois vous les envoyer. Les envoyer à muslim, les récupérer par ici. Vous les envoyez en PV. Alors, je vais commencer par la première question sur le cours, alors, Inch'Allah, je vous l'envoie d'abord. La fois, non, cher, parce que c'est... Donc, la question d'un frère qui dit, Assalamu alaikum, ya cher, barakallahu fikum pour cet excellent cours.
Vous avez dit que lorsqu'Allah aime une personne, il l'attriste. Et lorsqu'il ne l'aime pas, il rallonge sa vie. Est-ce un hadith? Et si oui, qui a rapporté ce hadith? Et sinon, quel est le dalil de cette parole? Qu'Allah vous illumine, fi dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, cher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا dans ce cours inshallah ta'ala et dites-moi si vous m'entendez inshallah ta'ala là j'espère que yani que ça que les coupures ne commencent pas Allahu alam al-muhim celui qui a dit ça c'est le grand Zayl ibn Ayyad et je ne sais pas à 100% ce qu'a dit le frère non. Lorsque le serviteur augmente son affliction non. Et le serviteur agit ça vit pas un hadith c'est une parole de Fudayl ibn Ayyad quant à la première partie de ce qu'il a dit, on a donné le hadith que lorsque Allah Ta'ala aime quelqu'un, il l'éprouve. Et quelqu'un qui est éprouvé, c'est sûr que c'est de l'affliction et c'est de la tristesse. Pour la deuxième partie, quand quelqu'un déteste, quand Allah Ta'ala déteste quelqu'un, il élargit sa vie d'ici-bas. C'est d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que, mais tu vois, et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit, si tu vois quelqu'un en train de commettre des péchés, et que Allah Ta'ala lui élargit, yani il le laisse comme ça, il lui élargit, il lui ouvre ses portes, alors sache que yani, c'est quelqu'un que dont Allah subhanahu wa ta'ala lui veut la ruine, non, mais la perte et la perdition. Et Allah Ta'ala ne veut la ruine et la perdition à seulement à quelqu'un qui n'aime pas. Qui n'aime pas. Non. Allah Ta'ala pour une deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh Ona. Pouvez-vous nous donner une nasiha concernant l'organisation de la femme? Donc l'organisation au sein de sa maison afin qu'elle ne néglige ni l'apprentissage du din, ni l'éducation des enfants et tout ce qui suit, comme les devoirs envers Allah Azza wa Jal et son époux. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si elle veut dire par nasiha que je lui recommande de faire exhorter, groupe et joigne entre yani, tout ce qu'elle vient de citer ici, je suis d'accord. Mais si elle veut dire de lui montrer comment qu'elle doit faire, je lui dis c'est une chose personnelle. Naam. Chaque sœur, par exemple, naam, sait comment s'organiser. Et chaque à elle, parce que c'est elle qui sait, par exemple, quand est-ce qu'elle se lève. Le matin, naam, combien qu'elle a d'enfants, est-ce que ses enfants sont faciles à être, qui comprennent vite, etc. Est-ce que sa maison est grande pour comparer avec une autre petite maison dans laquelle il y a pas beaucoup de travaux ménagers. Celle-là, elle a par exemple une grande maison, donc ça demande peut-être qui est avec elle dans la maison? Est-ce qu'elle vit avec sa belle-mère et d'autres enfants qui par exemple, lui font des embûches sans le vouloir par rapport à l'autre qui habite seul? Donc celle-là, elle peut y aller. Elle s'occupe mieux de ses enfants ou là de ses devoirs. Et comme ça. Donc, tous ces facteurs rentrent dans le planning. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est à la sœur d'être hazima et comment yani, se planifier pour faire toutes ces choses à la fois, c'est-à-dire l'éducation des enfants et l'apprentissage du din et le devoir envers son mari, envers parents, famille de son mari et comme ça. Non. Mais toute personne, inshallah ta'ala, qui a la sincérité dans le cœur de faire cela et de le faire aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala, ravir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera et lui facilitera et lui facilite même la difficulté. La difficulté devient facile bi'idhnillah ta'ala.
Ensuite, si elle arrive, yani à 100%, alhamdoulilah. Mais ce n'est pas obligé qu'elle arrive à 100%. Al-Muhim, comme a dit le prophète, il a dit, Qaribou, Qaribou. Si tu arrives à 70%, 60%, 65%, Masha'Allah, tu ne peux être infaillible, mais des fois tu tombes malade, des fois tu as la tête qui tourne, des fois tu as on a des maux, des fois on est paresseux, des fois il est comme ça. Comme a dit le hadith, il a dit, Sa'a wa sa'a. Il a dit, un certain temps c'est comme ça, et un autre c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'est le musulman jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider là-bas en France à yani, joindre entre tous ces devoirs, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Barakallahu fikoum, cher. Et il y a un frère, avant tout, cher, qui vous demande de faire dua pour une femme qui vient de décéder il y a à peine 1 heure. Et donc, il vous demande de faire dua et je vous dirai après qui est le frère qui vous a demandé de faire dua, Inch'Allah. Et je vous pose aussi la même question, une question en attendant. Assalamu alaikum, hafidhakumullah, cher, question d'un frère. Vous avez parlé de dire Allah me suffit. Ça ne contredit pas le hadith qui dit Allah est avec le groupe. Car quand on dit Allah me suffit, ça veut dire on a besoin de personne d'autre, non? Je ne sais pas si vous avez compris la question, cher. J'ai pas très bien compris la question pour dire la vérité. Mais d'abord, alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais pour le début de la question, je lui dis il n'y a pas de contradiction entre dire Allah me suffit et Allah avec le groupe. Car Allah subhanahu wa ta'ala suffit aussi chaque personne de ce groupe. Quand je dis Allah me suffit, ça veut dire que, comme on dit en arabe, hasbi Allah. C'est pour ça que le prophète sallam disait hasbi Allah et Ibrahim Allah a dit nasu inna nasa qad jama'u lakum jama'u qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Donc Allah me suffit, yani que je sois seul, ou que je sois en groupe, ou que je sois dans une armée. Ça veut pas dire que, en disant Allah me suffit, par exemple que je n'ai besoin ni d'amis, ni d'être en groupe pour aller combattre, ni d'être en groupe pour aller étudier. Non. Ça veut dire que dans mon cœur, na'am, même si je suis en groupe et qu'on est nombreux, c'est Allah Ta'ala qui me donne tout, et qui me facilite tout, et qui me donne ma subsistance, et qui me suffit bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucune contradiction en ce sens, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal. Barakallahu fikoum, cher Ka. En fait, moi, je n'avais pas compris la question. C'est pour ça que je vous ai dit si vous avez compris, sinon on aurait pris des précisions. Donc, question d'un frère. Assalamu alaikum, Marie. Si une personne est éprouvée par la maladie ou une chose mauvaise dans sa personne ou ses biens, comment peut-elle savoir si cette affliction est une épreuve ou une colère d'Allah? Je reprends, cher. Si une personne est éprouvée par la maladie ou une chose mauvaise dans sa personne ou ses biens, comment peut-elle savoir si cette affliction est une épreuve ou une colère d'Allah? Barakallahu fikum. Merci au grand cheikh, merci à tous ceux qui de près ou de loin contribuent à la réalisation de ce travail gigantesque. Allah vous protège. Amen. Wa alaykoum salam, au frère qui m'a demandé de faire des doigts pour le mort, que sauf si la personne voudrait que yani, ça soit comme ça devant yani, les élèves comme ça dans le salon, ça c'est autre chose qu'ils me disent. Sinon, rassurez Inch'Allah Ta'ala, n'oublierai pas Inch'Allah Ta'ala dans certains endroits qui sont mieux que là où je suis. Quant à la réponse à la question qui dit que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc un bien pour nous, ou bien c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette question a répondu la montagne. À cette question a répondu la montagne, l'imam, l'allama, Ibn Baz, rahimahullah. Ibn Baz, rahimahullah. On voit la personne qui est éprouvée. Une personne pieuse en général. Une personne moustaqima, mashallah, qui fait ses obligations religieuses tant qu'elle peut.
Ensuite, lui vient l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une épreuve, naam, et non pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, mais si la personne fait les grands péchés, fait la zina, fait ceci, fait cela, naam. Ensuite, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'a répondu l'allama Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Tfadhal. Barakallahu fikoum Cheikh, je dis juste à Fouzi qui m'a fermé ses PV et du coup je ne peux pas le contacter. Et sinon, question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment peut-on dire qu'il ne faut pas demander de l'aide auprès des hommes alors qu'en même temps nous avons besoin de faire les causes pour réaliser toute chose? Et bien sûr en plaçant entièrement la confiance en Allah Azzawajal. Expliquez-moi Cheikh, car je pensais que l'un n'allait pas sans l'autre. Barakallahu fikoum pour le temps accordé à ma question. Dis-moi, est-ce que la personne, quand elle dit comme ça, d'abord, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, est-ce que la personne qui a, si elle peut me confirmer, est-ce que la personne qui dit comme ça, et qui a ce genre de istishkel, c'est-à-dire que, genre de c'est pas conciliable. Non. Est-ce que elle dit comme ça, se basant sur ce que j'ai dit, lorsque j'ai dit, que ne devrait à placer sa confiance en Allah, celui qui ne devrait avoir aucune personne dans son cœur. C'est-à-dire ce qu'a dit Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il a dit, celui qui a vraiment placé sa confiance en Allah, c'est celui qui, dans son cœur, n'espère d'aucune personne. Est-ce que c'est à cause de cela ou bien autre chose? Tfadhal. Allahu a'lam, Cheikh. En attendant que. Donc, si la sœur peut donner des précisions, frère Fawzi. En attendant, Cheikh, je vous pose la question d'un frère qui dit, Cheikh, qu'Allah vous préserve. Expliquez-nous brièvement le hadith. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah s'occupera de sa pourvoyance comme l'oiseau qui sort de son nid. Barakallahu fikoum, Cheikh. Naam, le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si vraiment, لو توكلتم على الله حق توكله, que si vraiment on plaçait sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, yani comme il se devait, alors que Allah subhanahu wa ta'ala donc va nous donner notre subsistance comme il la donne à l'oiseau, comme il la donne à l'oiseau, quitte le avec le ventre creux et revient le soir avec quoi? Avec un ventre, afoun, un ventre plein. Le hadith veut dire ici que l'oiseau dans votre vie, dans votre année, depuis que vous êtes vivant, vous avez vu un oiseau qui est sorti le matin, qui a quitté le nid le matin et revenu le soir avec le ventre creux. C'est pas possible. L'oiseau, quand il quitte le nid, imaginez qu'est-ce qu'il y a devant lui. Des champs, des fermes, enfin, des hectares d'épis, des hectares de maïs, des arbres fruitiers, des maisons. Il va dans les cours des maisons, sur les toits, sur. C'est un pot creux. Le prophète Aslam veut te dire que si jamais tu plaçais vraiment ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en même temps, tu faisais comme l'oiseau, car l'oiseau n'est pas resté dans le nid. Il est sorti prendre des causes. Alors il a dit, il te garantit quoi? Que Allah ne te manquera jamais. Voilà ce que a voulu dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadhal. Barakallahu fikoum, Cheikh Afouane, ça a bloqué, je ne sais pas pourquoi. Je vous pose pour le moment, c'est la dernière question que j'ai sur le cours. Ah non, il y en a une autre qui vient d'arriver. Question d'un frère ou d'une sœur, Allahu alam, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Vous avez parlé de ce compagnon qui s'est cogné la tête et que Allah Azzawajal lui a pardonné de suite. Est-ce que cela veut dire que nous, à chaque fois qu'il nous arrive un mal, ça veut dire qu'Allah Azzawajal nous a absous d'un péché? Barakallahu fikoum, Cheikh. Authentique du alayhi wa sallam. Et vous le connaissez, vous tous, ou bien la plupart de vous le connaissent, qui dit que il n'y a pas un mal qui arrive aux croyants, ne serait-ce que l'épine qui le, disons, qui le pince, si je puis dire,
sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui absout de ce mal-là, yani un péché. Donc toute personne, quand il lui arrive un malheur, imaginez le malheur, combien qu'il est grand par rapport à l'épine. Chaque croyant, quand il lui arrive un malheur, ce sont des péchés bi'idnillah subhanahu wa ta'ala qui quoi? Qui s'effacent. S'il a patienté ou il n'a pas patienté. Quelqu'un va dire subhanallah, même s'il n'a pas patienté. Naam, même s'il n'a pas patienté. Et donc, si. Mais si. Alors il aura quoi? Il aura des récompenses. Le malheur, quand il t'attend, il t'attend, ou bien le mal, ou bien l'épreuve, ou bien l'épine, elle ne te donne pas des récompenses, mais elle absout des péchés. Mais maintenant, et tu veux encore, tu auras des récompenses si la personne va agréer, yani tarda, va agréer de ce qui lui est arrivé. Alors les récompenses vont, subhanallah l'adim, se multiplier à un statut que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tafadhal. Barakallahu fikoum, Cheikh. Je dis juste à la sœur, qui ne sait pas si sa question a été posée, que Cheikh en fait attend des précisions. Donc elle veut savoir si votre question est en rapport avec une parole de Cheikh ou si c'est une compréhension personnelle que vous avez par rapport à vos lectures ou autres. Barakallahu fikoum. En attendant, question d'une sœur qui dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Pouvez-vous réexpliquer le signe de la sincérité en la confiance en Allah, car j'ai eu des coupures ?» Aussi, mon fadlik ya Cheikh, si j'ai bien compris, Allah Ta'ala donne ou élève ici-bas les kuffars pour qu'ils jouissent ici-bas et soient châtiés dans l'au-delà. Et pour les musulmans, Allah Ta'ala leur pardonne un peu moins que les kuffars, pour qu'ils soient pleinement récompensés dans l'au-delà. Jazakumullahu khaira, est-ce que c'est une bonne compréhension? Naam, c'est une très bonne compréhension. Naam, c'est comme ça qu'il fallait comprendre. Ensuite, regardez le verset là, je vais juste prendre un peu de temps pour vous le donner, Inch'Allah Ta'ala. Il vous aidera à renforcer ce que vient de dire ici cette soeur ou bien ce frère. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, une seconde, adhebtum, adhebtum, une seconde, adhebtum. Naam. Regardez ce verset, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Regardez ce verset. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit que ici, le frère ou la sœur, attendez, je vais voir, c'est une sœur. Non, une seconde. Non, c'est une sœur. Exactement comme elle a dit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que Allah subhanahu wa ta'ala donne ici au kuffar, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir seulement le feu. Et comme a dit le prophète, il a dit, la dunya c'est quoi? Il a dit, c'est le paradis du kafir, du croyant. Donc, hadith authentique. Regardez le verset qui va venir. Bi'idnillahi ta'ala. وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Écris-moi numéro 1 si ça, ça s'est affiché, bi'idnillahi ta'ala. Alhamdoulilah, donc ça s'est affiché. Regardez en français. Le jour où ceux qui ont présenté, il va leur dire, et on va leur dire, vous bien, et vous en avez dans votre. Alors, aujourd'hui, avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre, et pour votre perversité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a plus clair que cela? Est-ce qu'il y a plus clair? Et le jour où les mécréants seront présentés devant le feu, on va leur dire, vous avez dissipé vos plaisirs, tayyibatikum, vos biens excellents, et vous en avez joui pleinement, pleinement durant votre vie sur terre. Du matin au soir, l'alcool, les femmes, la drogue, l'argent, danser, chanter, ceci, cela, vous en avez joué à fond pleinement durant votre vie. Conclusion,
Maintenant, on va vous rétribuer du châtiment avilissant, c'est-à-dire le feu, pour l'orgueil dont vous, pour votre perversité. Donc nous, comme a dit Omar al-Khattab une fois Allah Ta'ala lui a ouvert, yani, élargi un peu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu peur. Il a dit, ya Allah, faites de sorte pas, ça ne soit pas, yani, mes biens, comme il dit ici, mes biens qui sont dissipés, qui sont dissipés. Mais je veux pour l'au-delà. Car des fois, si Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre beaucoup, ça veut dire il veut te donner maintenant, il va pas te donner là-bas. Tu dis non, ya Allah, non. Moi, je préfère vivre, yani, avoir là-bas, pas ici. Mais ma'alish, Allah subhanahu wa ta'ala donne ici et là-bas. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana. Mais on parle des kuffars auxquels Allah subhanahu wa ta'ala donne tout ici et rien là-bas. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Tfadhal. Barakallahu fikoum, cher. En PV, je vous ai envoyé deux questions et je vais vous lire la deuxième, parce que la deuxième concerne le cours. Au début, je n'avais pas de question de cours et celle-ci est arrivée entre-temps, donc je vous lis la question de 1 et pas 2. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense, vous, les admins et ceux qui participent à cette room. Amin. Quand un musulman souffre, il peut s'agir du fait qu'Allah veuille qu'il souffre parce qu'il aime son serviteur. Mais ça peut aussi s'agir du fait qu'Allah veuille le punir avec un mal qu'il a fait, pour un mal qu'il a fait. Cette souffrance peut aussi venir du fait qu'Allah ne lui a pas exaucé un vœu qu'il a demandé, car vous avez dit dans un cours qu'un dua n'est pas toujours exaucé, ce n'est pas un droit, et qu'Allah peut ne pas toujours exaucer un vœu. Donc l'origine de la souffrance d'un musulman est diverse, et quand celui-ci souffre, il peut être encore plus attristé quand il ne comprend pas l'origine de cette souffrance, surtout si celle-ci est forte et répétée. Donc, quel conseil pouvez-vous donner à un musulman qui souffre et qui ne sait pas si c'est parce qu'Allah l'aime ou est en colère contre lui? De plus, ce musulman ne comprend pas le hadith qui dit qu'Allah nous aime plus que nos propres mères et que la souffrance est parfois tellement grande. Barakallahu fikoum, cher. Alaykoum salam, wa nous rappelle pas nous. Mais par contre, je connais le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers nous plus que yani, la mère ne l'est envers son enfant. Comme ça, avec miséricordieux et non pas aime. Mais Allahu alam, si la personne peut me rappeler le hadith, s'il y a un hadith où il dit qu'il nous aime plus que nos mères, ma'alish, tayyib. Je dis, c'est une règle. Entendez bien, inchallah, vous m'entendez bien? Je dis, c'est une règle. Il n'y a pas l'ospte qui n'y est pas. Donc, il n'y a pas, comme quoi, disons, un 100%. Ça coupe. Je sors et je reviens, on va voir. Je sors et je... Je profite du fait que Cher ne soit pas là pour dire à la sœur qu'on attend toujours les précisions pour poser sa question. Donc, Fouzi, tu peux la contacter et lui dire que Cher veut savoir si sa question c'est en rapport avec une parole de Cher, donc elle aurait interprété comme ça, ou si c'est sa compréhension générale. Barakallahu fik, Fouzi. Si ça coupe, Inch'Allah Ta'ala, vous me le dites. Al-Muhim, je disais, Allah subhanahu wa azzawajal, naam, a fait de sorte que il n'a pas donné, il n'a pas laissé comme ça un signe, yani clair, à 100%, pour savoir si les malheurs qui nous arrivent, c'était à cause de péché qu'on a fait, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère de nous, ou bien quoi? Ou bien, au contraire, c'est une épreuve et c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est pour cela que les savants comme Ibn Baz rahimahullah et aussi même Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit qu'en général, on voit si la personne est masha'Allah, on dit
que ce qui lui arrive donc sont des épreuves. Si la personne est perverse comme ça, connue qu'elle fait des péchés, etc., des grands péchés, on dit que c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et se venge d'elle aussi. Mais je dis en général, chaque personne doit mettre dans son cœur, chaque croyant doit mettre dans son cœur qu'il est le serviteur et que Allah subhanahu wa ta'ala est son maître. Et vous savez, le maître fait de son serviteur ce qu'il veut. Naam. Le serviteur, si vous saviez, le serviteur, naam, c'est quelqu'un qui, comme on dit, un domestique. Tu peux aller au marché, tu l'achètes. Tu achètes 3, 4, tu les emmènes à la maison. Tu en fais ce que tu veux. Le domestique n'a même pas le droit d'aller au hajj si tu lui donnes pas la permission. Il n'a même pas le droit d'aller à Salat Jumu'ah si tu lui permets pas. Il reste à la maison, il prie à la maison, tu as besoin de lui. Donc le maître fait ce qu'il veut du serviteur. Toi, tu dois avoir dans ton cœur que ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala de moi, c'est lui le plus savant. Moi, mon but, c'est quoi? C'est d'accepter. Et si je peux encore, c'est d'agréer. C'est encore un statut vraiment élevé. Et ce qui va m'aider, c'est quand je sais et j'ai la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Car si Allah subhanahu wa ta'ala, hacha, était injuste, alors quand il t'arrive des choses, tu peux dire, oui, parce que Allah est injuste. Voilà, j'ai pas fait ceci, il m'a puni, ceci, cela. Mais maintenant, toi, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une fourmi, il n'est pas injuste avec elle. Envers une fourmi, Allah ta'ala est juste. Qu'en est-il envers nous, qui nous a créés et nous aime, parce qu'on est croyant, et Allah ta'ala aime le din, aime ceux qui se rapprochent de lui, aime ceux qui le veulent, ceux qui veulent son paradis. Donc je dois dire dans mon cœur que tout ce qui m'arrive, naam, je dois, inshallah ta'ala, patienter, l'issue viendra. Allah ta'ala n'aime pas ceux qui ferment les portes et qui disent donc, classe, il n'y a pas d'issue. Moi, il m'arrive que seulement les malheurs, il n'y a pas d'issue. Non, l'issue viendra. Certes, après la difficulté vient la facilité, deux fois, dans le verset. Naam. Et ça me suffit que ce qui m'arrive, ça m'enlève des péchés. Subhanallah al-Azim. Tout ce qui m'arrive comme mal, ça m'enlève des péchés. Donc déjà ça doit t'aider, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'en est-il maintenant? Si je patiente, je vais avoir des récompenses. Et mashallah, donc l'épreuve, elle a deux choses. Deux ailes. Une aile m'enlève les péchés, l'autre aile me donne les récompenses si je patiente. Naam. Et donc, le hadith dit que quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, lui donne les épreuves, donc je ne suis pas haï par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas en colère contre moi. Pourquoi je ne vois pas comme ça? Je dois voir comme ça. Naam. Je suis sûr maintenant que je ne fais pas les grands péchés. Donc, comment se fait-il que maintenant, c'est la colère d'Allah? Non, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut me faire élever de rang. Et il y a pour être élevé, il y a certaines choses que je dois faire que je n'ai pas faites, certaines adorations. Donc Allah Ta'ala a choisi de me faire élever en me donnant par exemple des épreuves. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit l'autre dans le livre, il a dit, Ya Allah, aidez-moi et donnez-moi, faites de sorte que j'ai une bonne opinion de vous. Comme ça, il a dit, faites de sorte, Ya Allah, que j'ai une bonne opinion de vous. Naam. Tafadhal. Avant cela, inshallah ta'ala, avant d'oublier, il y a une chose. Écrivez numéro 1, inshallah ta'ala. Tayyib. Et avant cela aussi, est-ce que l'un de vous peut me dire quand est-ce qu'on a commencé à répondre aux questions? Quand est-ce qu'on a commencé à répondre aux questions? Combien ça fait de temps, inshallah, à peu près? Il est chez moi 23h, Afoun. Combien de temps depuis qu'on a commencé à peu près? Est-ce que ça une heure ou pas encore? Une heure ou pas encore? Pas encore. Car je dois répondre, inshallah ta'ala, pas encore. Je dois répondre 1h30. 1h30.
Si c'est 1 heure, dites-moi comme ça, je sais qu'il reste une demi-heure. El-Mouhim, la fois passée, quand on a parlé du hadith, la fois passée, quand on a parlé du hadith du martyr qu'il avait sept choses, mashallah, on a cité les sept, on a cité les sept. Si vous vous rappelez, j'avais cité que le premier, que c'était le pincement qu'il ne sentait pour sa mort que un petit pincement. Non, mais ensuite on a vu que le pincement ne se trouvait pas dans les sept, mais j'avais dit que il se trouvait en général pour le shahid, en général pour le martyr. C'est pour cela que ce qu'on doit savoir, inshallah ta'ala, d'abord je vous cite le hadith du pincement, ensuite je vous dis comment résumer, inshallah ta'ala, cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit. Donc je parlais pour le martyr, naam. Ce qu'il faut dire que le martyr a 7, afwan, a 8. A 8, disons, particularités. Comme ça, il faut dire. Et 7 sont cités dans un seul hadith, les 7 qu'on a cités, bi'idhnillahi ta'ala, et une particularité, elle est citée dans un hadith à part. Dans un hadith à part. Le prophète, alayhi salam, a dit, Al-shahidu la yajidu alam al-qatli illa kama yajidu ahadukum mas al-qursa. Albani a dit Sahih al-Jami' 3745 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le martyr ne ressent de la douleur de la mort que ce que ressent l'un de vous lors d'un pincement. Donc, je résume. Si jamais on vous dit quelles sont les particularités du shahid, vous dites elles sont 8. 7 sont cités dans un hadith tout seul, et cette huitième particularité que je viens de citer ici, qui ne ressent de la mort que ce que ressent l'un de vous lors d'un pincement, elle est citée dans, cette particularité est citée dans un hadith à part, bi'idhnillahi ta'ala, que je viens de citer ici. Tfadl inshallah ta'ala, pour l'autre. Barakallahu fikoum, cher, ça confirme ce que vous aviez dit la semaine passée. En attendant, question d'un frère, Allah alam, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours, vous avez dit que la tristesse était quelque chose de visible chez les pieux prédécesseurs. Est-ce que cela ne va pas en contradiction avec le fait qu'il fait partie du bon comportement d'accueillir son frère avec un sourire, ou que le fait de sourire à quelqu'un est une aumône? Barakallahu fikoum, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il n'y a pas de contradiction. Quand je rencontre mon frère, je lui souris. Naam. Et le rencontrer avec un sourire, ça donne une récompense. Mais le sourire n'empêche pas qu'il y a une grande tristesse dans mon cœur. Vous avez compris? La tristesse, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et le sourire, c'est quelque chose qui se trouve sur mes lèvres, en apparence. Et je peux bien joindre entre les deux. Être triste dans mon cœur et sourire à quelqu'un quand je le rencontre. Naam, il y a inchallah ta'ala aucune contradiction. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Et la sœur confirme en fait que dans le hadith, c'est bien miséricordieux, c'est pas M, c'était une interprétation de sa part. Et la question de tout à l'heure, cheikh, la sœur n'a pas compris en fait quelle précision vous vouliez avoir. Parce qu'elle trouve, je pense que sa question est claire et elle ne comprend pas les précisions. Donc je relis la question, cheikh, et dites-nous quelle précision vous voulez avoir. Donc sa question c'était, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment peut-on dire qu'il ne faut pas demander de l'aide auprès des hommes alors qu'en même temps nous avons besoin de faire les causes pour réaliser toute chose? Et bien sûr en plaçant entièrement sa confiance en Allah Azzawajal. Expliquez-moi, cher, car je pensais que l'un n'allait pas sans l'autre. Barakallahu fikoum pour le temps que vous vous accordez à ma question. Moi, je voulais juste lui dire, Nam, où elle a trouvé que il fallait pas demander de l'aide. Où elle a trouvé qu'il fallait pas demander de l'aide. Où est-ce qu'elle a entendu ça? Est-ce que quand j'ai dit que Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit là, le signe de la véracité, de la confiance en Allah, c'est lorsqu'on n'a qu'une personne dans le cœur, on n'espère aucune personne dans le cœur, yani, de laquelle on va demander de l'aide. Est-ce que c'est de cette phrase que yani, c'est cette phrase qui l'a suscité à poser la question. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Tfadl, le temps qu'elle réponde, si tu veux, pose une autre question. Si elle répond vite, ma'alish.
Pour le moment, je n'ai pas de réponse, donc je vous pose l'autre question, cher, et c'est une question qui n'est pas en rapport avec le cours. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Ma question concerne le mariage. Sachant qu'en France, les musulmans, nous sommes une minorité. Nous serions 6%, dont une certaine partie ne pratique pas. D'autres sont hizbis, d'autres se marient dans leur pays, d'autres se marient avec une chrétienne ou une juive, d'autres vivent dans le haram. Donc ce qui réduit les possibilités de se marier avec celui qui a la religion. Et quand le minhaj est bon, subhanallah, le bon comportement et le bon caractère ne sont pas forcément là. En plus, certains qui se disent dans le minhaj, qui ont même plus de 40 ans, cherchent la jeunesse. Et ils n'ont pas spécialement comme objectif de faire une famille, car ils sont souvent divorcés et ont déjà eu des enfants. Dans ce contexte, quel sabab, donc quelle cause, en plus des doigts, peut faire une sœur pour se marier et fonder une famille selon la sunna, sachant qu'elle ne connaît pas de sœur du minhaj et qu'elle n'a pas de tuteur non plus. Barakallahu fikoum, cher. Bon, j'ai dit wa alaykoum salam wa barakatuh. En fait, c'est une question vraiment pertinente, car ce que dit la personne est vrai. Non, c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent des difficultés là-bas en Europe. Non, vivent des difficultés, surtout pour le mariage. Surtout que beaucoup, disons pour ne pas exagérer, je dis que certains, maalesh, même si en parenthèse c'est beaucoup, se marient pas avec un objectif clair. Pas le mariage, yani islamique, yani où on cherche à fonder une famille et avoir des enfants qui, yani, mashallah, vont défendre la sunna, le minhaj, l'islam, le répondre, etc. Mais que beaucoup se marient juste pour plaisir charnel, disons. C'est pour cela que vite ils sont repus et rassasiés. Et c'est pour cela qu'une semaine après, il décide d'arrêter ou de chercher une autre. Pourquoi? Il ne s'est pas marié avec l'intention, par exemple, qu'il se trouve en islam. De fonder une famille, d'augmenter le nombre des musulmans, d'augmenter les nombres des enfants, d'augmenter les nombres des soldats du prophète Islam qui vont, dont le prophète va être fier, Yom al-Qiyamah. Et yani, il va, disons, jalouser les autres. Non, il se marie juste pour tentation. Et une semaine après, 10 jours, 15 jours, il a eu ce qu'il voulait. Donc maintenant, il cherche une deuxième, troisième, quatrième, même s'il n'a pas les moyens du tout. Même si lui, tout juste, s'il mange, c'est tout juste. Et il travaille même pas, il veut une deuxième, troisième, quatrième, et il commence à divorcer et à dire, je gère pas, c'est difficile, je ne peux pas gérer. Non. Donc, comme a dit la sœur, yani, c'est vraiment difficile dans ce cas de trouver quelqu'un qui remplit toutes les conditions. C'est pour cela que, je l'ai dit déjà une fois, j'ai dit, ce n'est pas obligé dans ce cas de chercher quelqu'un qui remplit toutes les conditions. Au lieu d'être à 100%, on va suffire par exemple à 70, 60, 50, et comme ça. Et je vous ai cité une fois, si vous vous rappelez, et j'ai la chose avec moi, la fatwa avec moi pour ceux qui ils veulent que je leur la lise, il faut juste que je la cherche un peu, de Cheikh Ibn Othaymine, qui a dit que des fois, yani, c'est même permis de se marier avec un pervers, comme ça dit Cheikh Ibn Othaymine. Il a dit à condition que ce pervers, sa perversité ne soit pas du côté, par exemple, de la zina. Non. Mais pervers dans le sens où c'est quelqu'un qui, des fois, il dit des gros mots, des fois, qui ne prie pas à l'heure, ou ceci ou cela. Non. Pourquoi? Car ce n'est pas toujours qu'on a ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours qu'on a ce qu'on veut. Et quand on se marie avec quelqu'un, par exemple, qui a des fautes et qui fait toujours des péchés, par exemple, c'est mieux que de ne pas se marier du tout et rester toute sa vie célibataire et vivre sa vie célibataire sans mari, ni enfant, ni famille, ni rien. Donc c'est ce qu'on appelle le moindre mal. Le moindre mal, je me marie avec quelqu'un qui a toujours des fautes, mais c'est mieux que de ne pas se marier du tout. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il a dit, on ne doit pas blâmer une lumière entachée d'obscurité quand il n'y a pas de lumière à 100%.
Comprenez, je ne dois pas blâmer quelqu'un qui a des défauts quand il n'y a pas du tout quelqu'un qui n'a pas de défauts. S'il y avait des frères et des parties, mashallah, qui remplissent les conditions, alors je les laisse et je vais me marier avec quelqu'un qui a des défauts et ne remplit pas des conditions, dans ce cas, je dois être blâmé. Mais s'il n'y en a pas du tout, s'il n'y en a pas du tout, comment je dois faire? Je ne vais pas rester célibataire toute ma vie. Donc, j'accepte. Yani, celui qui a des défauts, je cherche le moindre mal, avec dans l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, va améliorer les choses en faisant des douas comme ça. Naam. Donc c'est ça la wasma. C'est ça la nasiha que je donne à la sœur qui trouve des difficultés pour se marier. Si bien sûr elle peut faire hijra et aller dans un pays musulman où elle va trouver quelqu'un qui remplit les conditions. Masha'Allah, si elle ne trouve pas, elle fait, comme on dit, daf'u a'zam dararain biltizami adnahuma. Elle repousse le grand mal en faisant le petit mal. Non, mais elle n'a pas d'autre solution. Et elle fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala améliore, yani, les choses. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Barakallahu fikoum, Cheikh. J'avais entendu cette parole de Cheikh Ibn Uthaymin sur un CD ou une cassette dont le titre était Questions-réponses sur le mariage. Et Cheikh répondait qu'à des questions sur le mariage, donc c'est peut-être celle-là. Sinon, question donc d'un frère qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Ma question est la suivante. Est-il permis à l'homme, lorsqu'il prie, de mettre son gilet au niveau de la taille et de faire un nœud pour que l'on ne voit pas le dos lorsqu'il se prosterne? Je suis un lycéen et je ne peux pas mettre de qamis lorsque je prie en journée. Ah, alhamdoulilah. Et en fait, Cheikh, je vous explique, c'est que beaucoup en France, comme ils travaillent ou ils vont au lycée ou à l'école ou autre, quand c'est l'heure de la salat, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la veste ou le pull et ils le mettent autour de la taille pour cacher la awra. Donc quand ils se prosternent, ils veulent savoir si c'est juste ou pas. Barakallah, fait comme Cheikh. Walaykoum salam, naam. Si le pantalon qu'il met, par exemple, est très serré, c'est pas un pantalon large, naam, est très serré, qu'il n'a pas, par exemple, une chemise qu'il pourrait mettre dessus. S'il a une chemise qu'il pourrait mettre dessus, au-dessus de son pantalon, de façon à ce que lorsqu'il se prosterne, ou bien lorsqu'il s'incline, yani, il s'est caché avec sa chemise. Dans ce cas, il n'a pas besoin de nouer quelque chose autour de sa taille. Sinon, ce qu'il fait, inshallah ta'ala, yani, c'est permis bi'idna ta'ala, car il le fait pour ne pas yani, faire voir les formes de sa aura quand il s'incline et quand il se prosterne bi'idna ta'ala. Tfadhal. Donc, Cheikh, là, la sœur à laquelle vous avez demandé des précisions, en fait, elle veut savoir si c'est un péché d'espérer avoir de l'aide de son grand frère, par exemple. Donc, on attend, au fond de nous, on espère que cette personne va nous aider, mais en même temps, on fait des doigts pour Allah Azzawajal nous facilite. Car en ce moment, elle traverse une épreuve et elle attend beaucoup de son frère, mais elle néglige pas en même temps de faire doigts pour qu'Allah lui la délivre de ses difficultés. Donc, est-ce que c'est juste ou pas cher? Naam. Tant que elle met dans son cœur que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut la délivrer. En même temps, par exemple, elle a cherché quelqu'un, ou là son frère, ou là une connaissance à elle, pour être sabab, ce n'est pas interdit et ce n'est pas contradictoire. Naam. Ce qui est interdit, c'est de mettre dans le cœur qu'il y a une personne qui va, yani, nous trouver la solution. C'est ça ce qui est interdit. Mais elle, si elle a dans le cœur que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la facilité, et que si Allah subhanahu wa ta'ala ne facilite pas, ni son frère, ni tous les rois du monde et les généraux du monde ne peuvent l'aider, ça veut dire qu'elle est sur la bonne voie. D'ailleurs, le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, Man istata'a an yanfa'a akha falyaf'al. Quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Donc c'est une preuve que yani, on a besoin de gens qui nous aident. Et il a dit, n'a pas remercié Allah celui qui n'a pas remercié les gens. Donc pourquoi je les remercie? Parce qu'ils nous ont fait quelque chose de bien. Non. Mais le tout, c'est le cœur.
Est-ce que dans le cœur, tu as mis le nœud que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le bien et qui refoule tous les maux, ou bien tu as dit c'est les personnes qui donnent ça? Voilà, inshallah ta'ala, yani le secret de cette chose. Naam, tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Donc, une sœur veut savoir par rapport au cours si deux choses ont rapport avec la confiance en Allah. Donc, elle souhaite se marier avec un frère depuis longtemps, mais elle ne sait pas pourquoi elle se dit que ses parents n'accepteront jamais. Et la situation reste bloquée. Est-ce que, comme ça, elle sort de la confiance en Allah Azzawajal? Et le deuxième cas, elle a aussi un père adoptif et elle a su depuis peu. Elle pensait que c'était son père. Donc du coup, elle a cherché son père biologique, mais il l'a fui. Elle a fait istikhara et a dit, je ne vous cache pas que je commence à désespérer et laisser tomber. J'ai peur de ne pas mettre toute ma confiance en Allah. Donc pouvez-vous l'éclairer? Barakallahu fikoum, cheikh. Donc, Samar, si c'est possible de reposer les deux questions. La première, je ne l'ai pas entendue. Enfin, j'ai entendu, mais je ne l'écoutais pas. Deuxième, elle vient de trouver ou là, de savoir qu'il y a son père, yani son vrai ou là, son père biologique. J'ai pas bien compris. Tfadlal. Même cherche, je vous redis les deux situations. Donc dans la première, elle veut se marier avec un frère depuis longtemps, mais elle ressent que ses parents n'accepteront jamais. Donc est-ce que le fait de ressentir ça fait sortir de la confiance en Allah? En fait, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en Allah? Et la deuxième situation, elle dit, j'ai un père adoptif et je l'ai su depuis peu. Je pensais que c'était mon père. Du coup, j'ai recherché mon père, mais il me fuit. J'ai fait istikhara et je ne vous cache pas que je commence à désespérer et laisser tomber. J'ai peur de ne pas mettre toute ma confiance en Allah. Pouvez-vous m'aider? Barakallahu fikoum, cheikh. Pour la première partie de la question, oublié. Bon, c'est pas le père adoptif. Donne-moi un mot sur la première question. Elle parlait de quoi? La deuxième, c'est le père adoptif. Non, pour le mariage. Pour le mariage, il y a des fois, on connaît nos parents, et on sait que, par exemple, ils sont du genre qui sont intransigeants, qui disent une chose, ils ne reviennent pas en marche arrière. Je dis, cela ne veut nullement dire que ça veut dire qu'ils resteront comme ça, yani à vie. Car les cœurs de tous les êtres humains sont entre deux doigts d'Allah Azzawajal. Il peut les faire changer d'une seconde à l'autre. C'est pour cela que moi je fais des doigts et je n'arrête pas d'en faire. Et je dis que si Allah subhanahu wa ta'ala voit que dans ce mariage il y a un rien, leur faire changer et renverser leur cœur. Mais ce que je dois savoir aussi, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas leur faire changer d'avis, c'est que peut-être dans ce mariage il n'y a pas un bien pour moi. Car moi je ne vois pas loin. Nous tous on ne voit pas loin. On voit seulement, yani, d'après ce qu'on sait, d'après les facteurs qu'on a, etc. On croit que ce mariage il sera le meilleur et qu'il n'y a que ce frère qui convient. Mais dans beaucoup, beaucoup de cas, on se trompe. Dans beaucoup de cas, on se trompe. Moi, je donne un conseil à la sœur, c'est seulement un conseil. Si elle peut ravir ses parents dans son mariage, ce serait la chose la plus formidable. Non. Ravir mes parents dans le mariage. C'est-à-dire que essayer de faire de sorte que en même temps bien et en même temps je rends mes parents heureux. Non. À quoi ça sert d'aller marier avec quelqu'un que j'aime moi, mais que mes parents n'aiment pas et ensuite toute ma vie ils sont contre moi. Toute ma vie ils ne me reçoivent pas bien, ils ne m'aiment plus, ils ne viennent pas chez moi. Si je vais chez eux, ils baissent des yeux, etc., etc. Non. Donc, toute sœur devrait faire son pouce pour essayer de joindre les deux. De faire qui est bien et en même temps de ravir les parents. Et en même temps de ravir les parents.
Allah subhanahu wa ta'ala. Donc place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, fais l'istikhara et yani, agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit. Enfin, pour la deuxième partie de la question, dis-moi, Jazairi, moi j'ai compris que elle a trouvé que c'était son père adoptif. Donc maintenant, elle sait qu'elle a un autre père. L'autre, est-ce que c'est son père, yani shar'i ou pas? C'est son père shar'i ou là c'est quelqu'un qui a fait le haram et qui ensuite a délaissé sa fille? Tfadhal. En attendant la précision, Sir, je vous propose de prendre une autre question. Et je précise aussi que certaines personnes aimeraient avoir, comment dire ça, le dalil, yani de la parole de Sheikh Ibn Al-Taymin, les références, pardon, la parole de Sheikh Ibn Al-Taymin sur le mariage avec un fasir. Donc si vous pouvez apporter la référence, ou si c'est sinon, je peux la rapporter pour le prochain cours samedi, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur. Enfin, j'ai la voix coupée, c'est pour ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de bonheur dans cette vie et dans l'autre. Une personne atteinte d'une petite maladie au niveau des ongles a comme traitement un vernis qu'elle doit appliquer régulièrement. Le traitement est de plusieurs mois. Comment doit-elle faire pour ses ablutions, sachant que l'eau ne touchera pas les ongles à cause du vernis? Doit-elle faire ses ablutions normalement? Jazakumullahu khairan. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Naam, ce n'est pas à cause de, naam, ce n'est pas à cause de, yani une perfection. Une perfection qui, yani avoir de beaux ongles, que la personne, yani, va faire de sorte que, yani, elle va annuler sa prière. Car si l'eau n'arrive pas, il ne touche pas, car il y a le vernis, il ne touche pas l'ongle, donc ses ablutions sont nulles et par conséquent sa salat est nulle. C'est pour cela que, yani, qu'elle fasse par exemple ce vernis, elle a toute la nuit par exemple. Depuis Salat jusqu'à quoi? Jusqu'à Salat Sobh. C'est des heures et des heures. Ensuite, Masha'Allah, depuis Salat Sobh jusqu'au Dhar. Elle fait la prière du matin et elle met ce vernis. Ensuite, elle a jusqu'au Dhar. Des fois, chez nous aujourd'hui, c'est le Fajr, c'est 5h30. 5h30 jusqu'à 13h30. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 8h30. 8h30 pour le vernis. Et ensuite, mashallah, du dhuhr au asr, et comme ça, je pense, wallah subhanahu wa ta'ala alam, qu'elle doit donner beaucoup plus d'importance à la salat qu'à ce vernis. Et que, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui fera une solution et lui donnera la guérison, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question d'un frère qui dit: lorsque nous nous blessons, cela veut dire qu'Allah nous efface des péchés. Est-ce que cela veut dire aussi, dans l'autre sens, que quand on se blesse, on doit chercher quel péché on a fait pour mériter cette blessure ou cette épreuve? Barakallahu fikoum cher pour vos cours. Naam, certains salaf, rahimahumullah, en rapporte d'eux que l'un d'eux, quand il montait sur sa monture et ne voulait pas marcher. Il monte sur sa mule ou bien son cheval, et qu'il ne veut pas marcher, qu'il ne prenait pas, il ne cherchait pas où est par exemple un bâton pour le frapper, mais qu'il descendait et faisait les ablutions et faisait deux rak'at. Et dans la prosternation, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Car, ou bien il se rappelle le péché et il doit s'en repentir, ou bien il ne s'est pas rappelé, alors il demande à Allah subhanahu wa ta'ala en général de lui pardonner, car ici, ça provient d'un péché. Et comme ça a été les salaf, rahimahumullah et radiyallahu ta'ala anhum. Non, à chaque fois qu'il y avait un malheur, ils attachaient ça, ils liaient ça avec un péché qu'ils ont dû faire. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadhal. Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je voudrais savoir s'il est permis d'acheter des jouets pour les enfants, ou parmi toutes les touches, il y en aurait une qui fait de la musique quand on appuie dessus, en fait. En faisant du mieux pour empêcher l'enfant d'y toucher. Et également, est-ce qu'on a le droit d'acheter des poupées qui ont des visages ou des peluches en forme d'animaux? Barakallahu fikoum, cher. Oussama, j'ai pas entendu le début de la question. Jazakallah khairan.
La sœur demande, cher, je voudrais savoir s'il est permis d'acheter des jouets pour les enfants, ou parmi toutes les touches, il y en aurait une avec de la musique. Donc, par exemple, un vélo ou une voiture ou autre, quand on appuie sur ces touches, ça fait de la musique. En faisant du mieux pour empêcher l'enfant d'y toucher. Donc, est-ce que c'est permis d'acheter un jouet qui a une touche qui fait de la musique si on empêche l'enfant d'appuyer sur cette touche au maximum? Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'on a le droit d'acheter des poupées qui ont des visages ou des peluches en forme d'animaux? Barakallahu fikoum, cher. Pour la première question, inshallah ta'ala, donc maintenant vous remarquez, de temps en temps, au lieu de répondre comme ça, j'écris, hein, j'écris. Bon. Je disais pour la première question, si maintenant j'achète quelque chose qui contient de la musique, par exemple un jouet, et je suis sûr que, il y aura des, par exemple, pour appuyer sur le bouton pour que ça donne la musique, par exemple, il faut qu'il y ait des piles. S'il n'y a pas des piles, par exemple, ça ne peut pas donner une musique. Par exemple, là, et j'enlève les piles. Dans ce cas, c'est permis, car il n'y a plus de musique. Ou alors, je suis sûr que, yani, je ne laisse pas l'enfant toucher, si je suis sûr. Mais je suis sûr, moi, que si l'enfant sait que cette chose, en appuyant ici, ça donne de la musique, qu'il va appuyer. Et que même si tu vas le surveiller toute la journée, il trouvera le moment où appuyer. Mais je dis, s'il y a un moyen comment enlever cette musique, en enlevant les piles par exemple, ou bien en cassant quelque chose pour que ça donne plus de musique, dans ce cas c'est permis, inshallah ta'ala. Pour les peluches, etc., là, il faut éviter au maximum où il y a la tête. Là, si on peut acheter des choses où il n'y a pas la tête, ou alors où il y a la tête mais le visage est effacé, ou alors c'est permis, inshallah ta'ala. Dans ce cas, il faut acheter des choses qui sont de petite taille. Vraiment petite, comme dans les poupées de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et pas des choses, yani, géantes, etc., qui lorsqu'on les voit, on dirait un vrai animal. Dans ce cas, c'est interdit, c'est vraiment la ressemblance avec la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam tfadlal. Donc la sœur sur la question du père adoptif, enfin du père biologique plutôt, a dit que c'est un père haram dans le sens où il est musulman et sa mère, elle n'est pas, son père donc est musulman, enfin, son père, vous avez compris, cher, est musulman et sa mère n'est pas musulmane et donc ils l'ont conçu hors mariage. Je dis à cette sœur, Wallahu ta'ala alam. Premièrement, ce n'est pas ton père chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton père chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, lui, il n'a aucune envie de te rencontrer, d'après ce que je comprends. La preuve, il sait mieux que toi, il te connaît mieux que toi tu le connais. Sahoulalala. Il te connaît mieux que tu le connais. Et s'il avait de la rahma dans son cœur, c'est lui qui t'aurait cherché. Ensuite, même s'il te cherche, il te trouve. Pour lui, tu es une étrangère. Donc même si vous vous rencontrez, vous ne pouvez ni vous embrasser, ni vous enlacer, ni tête à tête. Donc c'est un étranger. Donc, que Allah subhanahu wa azzawajal, yani, te donne en contrepartie de ta frustration venue de cet homme-là qui a fait ce péché. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala te suffise. Dis. Que Allah subhanahu wa ta'ala te suffise et te donne dans cette vie et dans l'au-delà, yani, la contrepartie. Naam. Fadlal. C'est pour ça que je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux quand j'ai dit le père. Je savais que c'était pas son père, près d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que je me suis un peu perturbé. Donc, question, cher. Question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est quand la femme fait l'adhan, quand la femme fait l'adhan chez elle, doit-elle le faire comme celui de l'homme à la mosquée? Et doit-elle dire la même chose que celui qui fait l'adhan, sachant qu'elle est seule? Donc, est-ce que l'adhan de la femme chez elle, toute seule, est le même que celui des hommes à la mosquée ou autre? Barakallahu fikoum, cher. Le même, sauf que dans la maison, on ne lève pas la voix. Même un homme, quand il fait l'adhan dans la maison, par exemple, il n'est pas allé prier dehors, par exemple, il ne s'est pas réveillé. Il va se lever, il va faire l'adhan. Le adhan, c'est
entre lui et lui-même. C'est tout. On se sent comme ça, quand vous m'entendez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'autre chambre, ils ne m'entendent pas. C'est tout juste entre moi et mon nefs. L'essentiel, c'est de me faire entendre. Donc, c'est la même chose pour la femme. Ce n'est pas, elle va faire Allahu Akbar, yani en élevant la voix. Peut-être qu'elle va faire venir yani, toutes les voisines frapper à la porte et dire qu'est-ce qui se passe. Surtout chez vous, on va vite appeler la police. Chez vous, vite appeler la police. Non, c'est la chose la plus facile. Pour qu'on témoigne pour lui, Yom Kiyama. C'est donc pour la même chose. C'est donc pas la même chose. Non, quand on est par exemple dans la rue, non, je dis dans la rue, quand on est en voyage, je vois par exemple, on commence à faire le Aden. Même si on est seul, on lève la voix, on lève. Comme ça, tout ce qui peuvent m'entendre, les arbres, les djinns, etc., les cailloux vont témoigner pour moi. Vont témoigner pour moi. Non. Ça, c'est on est dans une campagne, on est dans un voyage, dans enfin, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais quand on est dans la maison, non, on le fait entre nous parce qu'il n'y a personne d'abord qui va venir prier avec nous. Tandis que quand on est dans la campagne ou là, tous les djinns qui sont là-bas, etc., ils nous ont des anges, etc. Naam. Dans le hadith sahih, il a dit que des anges viennent prier avec nous. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal. Allahu fikoum, cher. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai lu que celui qui demande aux gens de faire des du'as, cela montre un manque de tawakkul. Dans la mesure où on a demandé à des créatures et que l'on ne s'appuie et que l'on s'appuie sur la demande. Pouvez-vous m'expliquer, barakallahu fikoum, cher? Wa alaykoum salam wa barakatou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il leur a dit que vous ne demandez aucune chose de quelqu'un. Quand ils ont fait le pacte d'allégeance, qu'ils devaient obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et laisser les statues et ne pas faire la zina, etc., entre autres, il leur a demandé de ne demander rien à une personne. Ça rentre dans cela le fait aussi de demander les doigts. C'est-à-dire, ce n'est pas une sunna de demander à quelqu'un de lui dire yani, fais-moi des doigts. Non. Mais, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, et je vais vous citer, inshallah ta'ala, le dalil, c'est permis de nous faire des doigts. Si, je dis bien si je mets dans mon cœur que je lui demande ceci, non seulement pour mes intérêts, mais aussi pour ses intérêts. Quels sont ses intérêts, lui? Lui, s'il me fait des doigts, les anges vont dire Amin pour lui aussi, vous savez ça. Et donc, il va gagner quelque chose. Mais si je mets seulement dans ma tête que je lui dis fais-moi des doigts, pour que, il y en ait mes intérêts à moi, pour que je guérisse, pour que je réussisse au bac, pour. Dans ce cas, c'est pas de la sunna, c'est contre la sunna. Quel est le dalil maintenant que, si c'est aussi pour ses intérêts, c'est permis? Le dalil, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a interdit de demander aux autres, il nous a dit, quand vous entendez l'adhan, dites exactement comme il dit. Et quand il termine, faites la prière sur moi et demandez chef al-Maqam al-Mahmoud. Ça, il a dit, et toute personne qui, lorsqu'elle entend l'adhan, fait la prière, dit comme le mot adhan, fait la prière sur moi et me fait la doua de tu dis Allahumma Rabbadi da'wata Musa ati Muhammad al-Wasila ou al-Fadila, ou ba'athu Maqam al-Mahmoud al-Ladhi wa'atta, il a dit, récompense, elle aura quoi? Elle aura mon intercession yom al-qiyama. Donc remarquez, le prophète Islam a interdit qu'on demande, ça. Ensuite il t'a dit, mais si tu demandes, naam, si tu me demandes Allah subhanahu wa ta'ala al-maqam al-mahmoud, alors comme résultat tu auras mon intercession. Donc nous, c'est permis qu'on demande à quelqu'un yani, de faire des doigts, mais à condition que ça soit aussi pour ses intérêts, pas pour nos intérêts seulement. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère. Assalamu alaikum. Lorsque je voyage en avion et qu'on y sert du vin ou un autre alcool, si mon voisin en prend, quel doit être mon comportement?
Est-ce que je dois changer de place? Et s'il n'y a pas de place disponible, est-ce que je dois lui demander de ne pas boire, sachant qu'il va certainement refuser? Donc alors comment dois-je faire, Cheikh? Barakallahu fikoum. S'il y a des places vides dans l'avion et que ce n'est pas interdit d'aller s'asseoir dans une place, dans une autre place, je change de place. Comprenez, s'il est juste collé à moi, il est collé à moi, à ma droite ou à ma gauche, et qu'il y a des places vides dans l'avion et que c'est permis. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Quand je dis beaucoup voyagé, ça veut dire aller-retour Koweït-Algérie. Y a 30, 40, 100 places des fois vides. Quand c'est vide, bien sûr, personne ne te dit pourquoi tu as changé de place. Mais ce qui est interdit, c'est de prendre une place d'une autre personne qui va monter. Donc, première alternative, s'il y a des places, je me lève et je vais m'asseoir dans une autre chaise. Voilà comment ça s'appelle. Le Mohamed, maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution que de rester dans ma place, alors avec mon cœur, je dois quoi? Ou alors, disons la deuxième alternative, si je peux, c'est pas obligé pour moi. Si je sais c'est quelqu'un qui peut-être monter, je lui dis. Mais ça m'étonnerait qu'elle accepte. Ça m'étonnerait qu'elle accepte. Mais si je peux, on ne sait jamais, surtout si c'est un musulman. Et je lui fais une nasiha. Celui-là, bien sûr, il aura de grandes récompenses, celui qui peut faire cela. Troisième alternative, qu'est-ce qu'il reste? Ni je peux changer de place, ni je peux lui dire. Alors je reste dans ma place, mais dans mon cœur, naam, cœur, je suis contre ce qu'il est en train de faire. Je suis contre. Mon cœur est chagriné. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les cœurs. C'est pour ça que le prophète, a dit dans un hadith authentique, il a dit que, comme ça il a dit en ce sens, hein, il a dit, il est possible qu'une personne assiste au péché, mais chez Allah, elle est loin. Et il est possible qu'une personne soit loin du péché, mais chez Allah, elle a assisté au péché. Vous savez ce que ça veut dire? Tout tourne autour du cœur. Il est possible que je sois avec celui qui fait le péché, comme dans le cas ici, je peux pas changer de place, mais dans mon cœur, chez Allah, je suis loin du péché. Pourquoi? Dans mon cœur, je suis contre. Et je me dis, si c'est possible, je lui aurais cassé la bouteille. Mais dans Allah, enfin, je peux pas. Dans ce cas, chez Allah, je suis loin du péché. Et il est possible que quelqu'un soit loin, soit assis, par exemple, dans la dernière chaise de l'avion. Il est tout à fait au fond. Et son cœur, il se dit, ah, si j'avais de l'argent, j'aurais bu comme boit cette personne. Donc cette personne, elle est loin du péché, mais en fait, chez Allah, péché. Naam, c'est un hadith authentique. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Une question d'affaires qui demande, est-ce que vous savez comment appliquer le jus de truffe pour les problèmes de vue? Barakallahu fikoum. Donc, tafess. Et en même temps, je vous propose de vous poser une autre question. Question d'un frère qui dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous d'ailleurs sur la route. Mon père est malade et ne peut pas se baisser pour accomplir sa prière comme il se doit. Il prie donc assis. Lui est-il permis de poser son front sur une table devant lui lors de la prosternation en étant debout et non assis? Comme lors du rukou. Donc mon père est malade et ne peut se baisser pour accomplir sa prière comme il se doit. Il prie donc assis. Est-ce qu'il lui est permis de poser son front sur une table devant lui lors de la prosternation tout en étant debout et non assis, comme lors du rukou? Ou doit-il rester assis sur la chaise lors du rukou et du sujoud? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous préserve et augmente votre science, ainsi que ceux qui écoutent assidûment vos cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien entendu par rapport au jus. Tu as dit un jus du terfes ou je sais pas qu'est-ce que tu as dit. J'ai pas entendu ça. Moumkin tu'id inshallah ta'ala, tfaddal. Naam, cheikh. Donc, il demande si, comment il faut appliquer le jus de truffe pour guérir les problèmes de vue. Naam, voilà. Truffe, c'est interface normalement ici. Wow. Tu as dit des problèmes de vue. Est-ce que tu as dit de vue? Naam, cheikh, pour les problèmes de vue. Barakallahu fikoum. En fait, cheikh, je vous ai mis la question juste au-dessus de celle que vous avez actuellement. C'est pour ça, en fait, je vais poser une autre question. C'est pour ça, en fait.
Non, j'ai pas remarqué en train de lire ce que vous m'écrivez sur le PV. Moi, pour pour la vue, etc. Il a dit le jus de truffe ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Non, il faut que je lui demande Inch'Allah Ta'ala. Non, contrairement à ce qu'a dit Muslim, je ne suis pas médecin. Contrairement à ce qu'a dit Muslim, non, je ne suis pas un médecin. Allez. Alors la deuxième question, c'était quoi? Aoud, donne-moi un mot de la deuxième question. Naam. Certains se trompent, on ne savent pas bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils peuvent pas se prosterner, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent comme ça, comme une table dessus. Cela que j'ai vu quand j'étais au Koweït, j'ai vu, parce que Koweït c'est plein de chiites, j'ai vu que il y avait des chaises spéciales qu'on appelle prières. Alors tu t'assois dans cette chaise et il y a quelque chose comme ça qui est levé pour que quoi? Pour que tu puisses poser ton front sur cette chose en étant assis. Et ceux qui font comme ça ne connaissent pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon ou authentique, a dit Cheikh Al-Albani, quand il est allé alayhi wa sallam, rendre visite à quelqu'un qui était malade. Il a vu que il était en train de prier, si, et quand il voulait se prosterner, il levait un oreiller. Il levait un oreiller vers sa tête et posait son front dessus. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, ne fais pas ainsi, jette l'oreiller. Il lui a dit, ne peux pas, non, comme dans ta position, il lui a dit, tu dois prier avec l'imam. Il a dit, prie avec l'imam. L'imam, c'est quoi? Ça veut dire, tu pries, yani assis par exemple pour celui qui ne peut pas se lever, il prie assis, et celui qui ne peut pas se prosterner, tout en étant assis, il fait un petit geste avec sa tête. Il descend un peu sa tête. Et dans l'intention dans son cœur, il met que il vient de se prosterner. Il dit Subhanallah Al-A'la, ou bien, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Ah. Bon, donc avec sa tête, il fait l'intention qu'il est en train de se prosterner. Il baisse sa tête. Il dit Subhanallah, trois fois. Ensuite, il dit Allahu Akbar. Il lève un peu sa tête tout en étant assis. Et il dit Rabbi khfidli, Rabbi khfidli. Rabbi dit Rabbi khfidli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il met dans son cœur qu'il va se prosterner. Alors que il va juste un peu descendre sa tête. Il la descend. De façon à ce que son menton touche sa poitrine. Il dit Allahu Akbar. Il descend sa tête en étant assis. Il dit Subhanallah Allahu bihamdi, Subhanallah bihamdi, Subhanallah. Ensuite, il lève sa tête. Et comme ça fait aussi la femme quand elle est en grossesse. La grossesse qui lui permet ou ne lui permet plus, par exemple, de se prosterner. Celle-là, par exemple, elle se lève, elle dit Allahu Akbar et elle commence à lire debout. Dès qu'elle ne peut pas, elle s'assoit. Elle termine en étant assise. Et puisqu'elle ne peut pas se prosterner, donc elle se prosterne avec sa tête en la descendant, comme j'ai dit, yani, et en ayant dans l'intention dans son cœur que c'est une prosternation. Allah subhanahu wa ta'ala alam, tfadlal. Assalamu alaikum, cher. En fonction du temps, ça sera la dernière question. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux et toutes celles dont on a pris les questions et ceux qu'on n'a pas pris les questions et qu'on ne peut pas répondre. Mais Cheikh a quand même passé 1 h 30 à répondre. Donc, j'espère que vous serez quand même indulgents. Barakallahu fikoum. Donc, la dernière question, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, Cheikh, pour le temps que vous nous accordez. Qu'il vous accorde le paradis au plus haut degré et qu'il Azzawajal vous guérisse de tous vos maux ainsi que vos proches et les admins et tous mes frères et sœurs ici présents. Amen. Donc la question est la suivante. Mon fils vient d'avoir 7 ans. Je voudrais savoir est-ce que les 5 prières lui sont obligatoires et quelle est la responsabilité des parents envers l'enfant.
Donc, est-ce obligatoire qu'on le lève et qu'on lui impose la salat? Et sommes-nous pécheurs si on ne lui impose pas de les faire? Pourriez-vous me conseiller sur cela? Barakallahu fikoum, cher. Quand l'enfant n'a pas encore 7 ans, quand l'enfant n'a pas encore 7 ans, c'est-à-dire que même s'il ne prie pas, on ne fait rien, on n'a pas de péché. On n'a pas de péché. Et ce n'est pas obligatoire qu'on lui dise, par exemple, prie. Même si c'est mieux pour qu'il s'habitue. Pour qu'il s'habitue. Mais, en arrivant à 7 ans, on doit, à chaque fois qu'il y a salat, de lui dire va prier ou bien viens prier. Non, ça veut pas dire que la prière est obligatoire pour lui. Elle n'est obligatoire pour lui que lorsqu'il devient pubère. Et même ici à 7 ans, quand de temps en temps il prie pas, quand ceci, quand cela, on lui fait des reproches sans le frapper. On lui fait des reproches. Non, ou alors je te donne pas telle chose, ou alors je te punis de cette chose. Non, pour que la dernière d'important pour qu'il sache. Maintenant, s'il a 10 ans, on commence à le frapper quand il n'a pas prié. On commence à le frapper quand il n'a pas. Et pour vous dire, non. Yani, la prière, c'est un djihad pour les parents, pas pour les enfants, pour les djihad. Si je vous disais, vous n'allez pas me croire, mais allez, je vous dis ça. Juste pour vous encourager vous aussi et que vous preniez aussi de mon expérience, Inch'Allah Ta'ala, plus âgé de vous. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdoulilah. Je donne l'exemple. J'ai un enfant, par exemple, de 18 ans. 18 ans, autrefois, c'était marié et des enfants. 18 ans, et chaque prière, il faut que je lui demande, est-ce que tu as prié ou pas? Est-ce que des fois je vais à la mosquée et de là-bas je téléphone. Où es-tu? Es parti là-bas. Où est-ce que tu es? Et comme ça, et peut-être, Wallahu alam, que la plupart des salats, peut-être qu'il ne les fait pas à la mosquée ou peut-être qu'il ne les fait pas du tout, ou bien Wallahu alam. Non, c'est difficile. Non, si quelqu'un n'a pas ça dans le cœur et c'est pas lui qui aime ça, c'est un djihad pour nous. Yani, pour Yani qu'il vienne prier. C'est vraiment difficile. Non. Et l'enfant, même âgé 16, 18 ans, il est capable de te mentir 1000 mensonges par jour. Et des fois, te dire, j'ai prié alors qu'il n'a pas prié. Wallah l'adhim. Des fois, je parlais avec certains de la famille, ou là, de mes enfants, ou là, qui, des fois, quand ils grandissent, ils te disent la vérité. Ils te disent, Wallah, Abi, plusieurs fois, j'ai prié sans wodo, quand j'étais jeune. Mais c'était juste parce que j'avais peur de toi ou là pour te faire plaisir ou là. Non, c'est comme ça les enfants. Qu'il a prié ou là qu'il a fait des abus, il n'a rien fait. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, yani nous, on ne soit pas yani châtié, il faudrait qu'on fasse yani ce qu'on peut. Moi, l'essentiel, c'est que chaque salat, je lui demande, est-ce que tu as prié? Des fois, croyez-moi, quand je viens, par exemple, de Maghreb ou l'Isha, je lui demande, tu as prié avec nous? Non, j'ai prié. Dis-moi, qui nous a guidés? Qui? Parce que de temps en temps, ce n'est pas l'imam, c'est une autre personne là. Qu'est-ce qu'il te dit? Imam. C'est l'imam, il joue avec les mots. Car toute personne qui te guide s'appelle imam, ça? Ton voisin, si ce jour-là, l'imam n'était pas prêt, il te guide le voisin, on dit de lui, c'est l'imam. On a été guidé par un imam. Dis-lui qui nous a guidés. Des fois, il n'a pas de réponse. Des fois, il se trompe. Il te dit, c'est X alors que c'est Y qui nous a guidés. Ça veut dire qu'il n'était pas à la mosquée. Comme ça, à 18 ans, hein, quelqu'un, fils de imam, et quelqu'un qui... Donc, c'est pour vous dire que vous et nous, Inch'Allah Ta'ala, on essaye de faire ce qu'on peut. Non. Et le salut et le tawfiq vient d'Allah. L'essentiel, c'est que on ne le laisse pas comme ça et on y fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on peut. Si Allah subhanahu wa ta'ala aide, alhamdoulillah. Si il y a beaucoup de contradictions, etc., de la part des enfants, beaucoup de laxisme, yani on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.